Il y a eu un numéro spécial en 2020 par rapport à ça. Et dedans, vous avez des articles qui en parlent particulièrement. Vous avez aussi eu la revue Priorité qui a eu un numéro particulier par rapport au coronavirus. Nous allons donc simplement voir rapidement, pour commencer, des principes d'interprétation prophétique que vous connaissez pour la plupart. Premier principe qu'il nous faut avoir en tête, on le trouve dans Amos 3 et le verset 7, et je vous invite à prendre des notes, où la Bible nous dit que le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Et vous avez en face Deutéronome 29 et le verset 29 qui nous dit qu'au Seigneur notre Dieu sont les choses cachées et que les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais. La question qu'on peut se poser, c'est le COVID-19 est-il dans l'interprétation prophétique une chose révélée ou une chose cachée? Qui parmi nous adventistes qui avons les yeux rivés sur la prophétie, sur les signes des temps, avait prédit l'arrivée du COVID-19, caché ou révélé? L'étude de la Bible, nous le voyons ce trimestre, nous demande de prendre en compte l'ensemble des principes que la Bible nous donne, pas seulement ceux qui nous arrangent. On voit aussi que beaucoup de personnes se disent prophètes aujourd'hui en disant qu'on peut comprendre le COVID-19 de telle ou telle façon, mais qui avait prédit le COVID-19 et qui est véritablement un prophète? La Bible nous donne des caractéristiques du véritable prophète. Je pense que pour la plupart, vous les connaissez. Il faut que ce que le prophète dit se réalise. Il faut que la vie du prophète soit en conformité avec l'enseignement biblique. Il faut que nous soyons centrés sur la loi et le témoignage, que Jésus soit mis en avant. Autre principe d'interprétation prophétique, c'est Jésus au centre de la prophétie, le salut par la grâce et non par la connaissance de tel ou tel schéma prophétique, et se focaliser sur le plan d'amour de Dieu plutôt sur les destructions que Satan veut mener. Donc, en phase sur l'amour de Dieu plutôt que sur la peur de l'enfer. Donc, quand nous voulons interpréter le COVID-19, nous avons déjà tous ces principes que nous connaissons déjà et qu'il nous faut appliquer pour pouvoir placer cet événement, ce virus, cette maladie dans le cadre précis qu'il doit avoir. Et ce cadre de prophétie, c'est des principes, mais également des symboles. Les symboles prophétiques, ce n'est pas le lieu aujourd'hui pour pouvoir les détailler. Vous les trouvez dans la Bible et c'est important pour nous de remarquer que la plupart du temps, les symboles sont précisés dans le texte même prophétique ou un peu avant ou un peu après. Quand vous lisez Daniel 2 avec la statue, Nebuchadnezzar va avoir l'explication des différents métaux dans le même chapitre. Daniel 7, Daniel 8 vont nous donner l'explication des symboles au quasiment même endroit avec les différents royaumes. Donc, pas besoin pour nous d'aller chercher des choses qui n'existent pas. S'il y a quelque chose que nous devons savoir, les symboles sont explicités directement dans la Bible. Ne faisons pas dire aux symboles ce qui nous intéresse, en tordant le sens des symboles, en disant que pour le COVID-19, ça veut dire ça, alors que pour le reste de la Bible, ça veut dire autre chose. Il nous faut garder les mêmes symboles du début à la fin. On se rapproche maintenant du COVID-19 en parlant des épidémies dans la Bible, toujours dans ce cadre global que nous voulons avoir. On va commencer avec le Nouveau Testament. Donc, on a deux mots dans le Nouveau Testament, l'œmos et plaguet, et l'œmos, on le trouve deux fois. Ce qui nous intéresse particulièrement va être Luc, chapitre 21 et le verset 11. Luc chapitre 21 et le verset 11, il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits des pestes, des famines, des faits terrifiants venant du ciel et de grands signes. Donc nous avons ce mot qui parle de pestilence, qui parle de plaie, qui parle d'épidémie et nous sommes dans le contexte de la fin des temps. Cela veut dire que le COVID-19 n'est pas un seul, mais il fait partie d'un ensemble. Parce que le mot n'est pas au singulier, mais on parle du fait qu'il y aura des épidémies.
Donc, cela veut dire que nous sommes dans le contexte de la fin des temps et que le COVID-19 est un signe parmi d'autres du proche retour de Jésus-Christ. Le deuxième mot qui est utilisé, c'est plaguē en grec, qui parle de plaie, de fléau, de peste, et qui parle de manière intéressante dans Apocalypse 13 de la blessure mortelle que va recevoir la bête qui monte de la mer. Donc les trois fois qu'on le trouve dans Apocalypse 13, on parle de la blessure mortelle de cette première bête. C'est le même mot qui parle d'épidémie aussi et des fléaux ailleurs dans l'Apocalypse. Donc ça, c'est pour le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, on va avoir plusieurs mots qui vont parler des plaies d'Égypte, qui vont parler d'infection de lèpre. Donc vous avez tout le Lévitique 14 où on parle d'infection de lèpre, qui est le même mot pour les plaies d'Égypte. On voit aussi des mots qui ont le sens de coup, de blessure, de châtiment. Et j'aimerais attirer votre attention sur Deutéronome 7, verset 15, parce qu'il a un mot qu'on retrouve une seule fois pour parler d'épidémie, mais qui pourtant a un sens qui va être très intéressant. Donc, Deutéronome au chapitre 7 et le verset 15. Voilà ce qu'il nous dit. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Lorsqu'on parle de mauvaises maladies d'Égypte, on parle plutôt de mauvaises choses et également de maladies. Et le mot qui exprime cette idée de mauvaise maladie, c'est le même mot, ra, que nous trouvons en Genèse 2, verset 17, qui nous parle de l'arbre de la connaissance du bien, mais aussi du mal. Donc, lorsqu'on parle d'épidémie, de fléau dans l'Ancien Testament, on est lié à Genèse 2, 17, où Dieu va dire à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où ils vont en manger, ils vont mourir. Donc, on voit que la Bible va demeurer assez large dans sa définition de ce que va être une épidémie, un fléau. On voit qu'elle peut inclure une personne, un groupe de personnes, qu'elle peut inclure une institution. Et on pourrait dire, pour résumer, que l'épidémie va être une conséquence de notre choix de nous séparer de Dieu. L'épidémie va être une conséquence de notre choix de nous séparer de Dieu, parce que nous avons choisi de connaître le bien et le mal, le bien et les épidémies, et le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Que ce soit par un cancer, un accident de la route, un meurtre, une overdose Ebola ou le COVID-19, ça reste toujours un résultat de notre séparation d'avec Dieu, mais comme nous l'avons vu dans Luc chapitre 21, ça devient aussi un signe annonciateur du retour de Jésus et du fait que tout va redevenir comme avant, c'est-à-dire avant le péché. Donc l'épidémie va être simplement entre deux, entre le point de départ où il n'y a que des bonnes choses et le point de fin où tout sera renouvelé, tout sera remis comme avant. La question qui nous intéresse pour aujourd'hui est le COVID-19 dans tout ça? On a parlé des principes, on a parlé des symboles et on a vu aussi différents aspects de l'épidémie dans la Bible. Et le COVID-19 dans tout ça, il est arrivé sur nous à l'improviste et on ne va pas forcément se focaliser sur le côté sanitaire pour cet après-midi. On va se focaliser sur le côté prophétique et sur ce que nous pouvons nous poser comme question. Quand vous lisez Luc chapitre 21, toujours versets 20 à 24, Luc 21, versets 20 à 24, Jésus va dire aux disciples que lorsqu'ils vont voir les armées romaines qui seront prêtes à investir Jérusalem, il faut qu'ils puissent se rendre compte que sa dévastation est arrivée et que c'est le moment de quitter Jérusalem. Et on peut se demander,
le COVID-19 est-il un signe pour nous qui croyons en Jésus-Christ d'une action à mener? Est-ce le temps de nous rapprocher de Dieu? Est-ce le temps d'avoir une certitude renouvelée du retour de Jésus? Parce que peut-être qu'on se disait, Jésus, il est au ciel, mais la vie continue. Est-ce le temps pour nous de nous rappeler que Jésus revient bientôt? On retourne sur les plaies d'Égypte. Est-ce que nous sommes dans le temps des plaies d'Égypte comme les trois premières? Ça, nous le verrons peut-être tout à l'heure avec Pasteur Dufet. Comment nous positionner par rapport à cela? Autre question par rapport au COVID-19. Est-ce que c'est un signe de la fin? On l'a vu avec Luc chapitre 21. Le COVID-19 est-il un tournant dans l'histoire humaine et prophétique? On peut se poser la question parce qu'on voit que les nations vont rapatrier leurs citoyens sur leur territoire, qu'on met en place des restrictions de liberté, que l'économie est en train de s'écraser. On voit que différentes mesures sont prises pour pouvoir mettre en place des choses, même sans le contrôle des citoyens. Et cela devrait nous interpeller, parce que c'est une des premières fois qu'on voit un événement d'une telle ampleur, et ce n'est pas anodin. Peut-être que le Seigneur a quelque chose à nous dire par rapport à ça. Il y a assez d'éléments pour nous faire comprendre que même si on n'a pas forcément toutes les définitions, toutes les compréhensions de ce qu'est le COVID-19, que cela devient un élément important. Alors, Ellen White, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à cela? Je vais vous lire rapidement un passage, il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai choisi un, dans Tragédie des siècles, pages 638 et 639. Elle nous parle de Satan qui, tout en se faisant passer pour un grand médecin, capable de guérir toutes les affections, répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités. Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer, incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations, trombes, raz de marée, tremblements de terre. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous mille formes. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Je reprends la phrase. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. Autrement dit, ce n'est qu'une épidémie, mais on pourra en avoir d'autres. L'œuvre de destruction, elle continue, atteindra les hommes et les bêtes. Et elle cite la Bible, « Le pays est triste, épuisé, les chefs du peuple sont sans force, le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient ses lois. » Violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Et je pense que tout à l'heure avec Pasteur Gustave Mac, on verra dans le détail ce processus qui amène au retour de Jésus. Mais nous voyons qu'Ellen White nous dit déjà à son époque, quand elle écrit « Tragédie des siècles », que Satan va empoisonner l'air et que des milliers de personnes seront victimes d'épidémies et que cela va devenir de plus en plus fréquent. Autrement dit, on pourrait dire que, comme Jésus, que le coronavirus n'est que le commencement des douleurs et que nous risquons d'avoir d'autres choses qui vont être encore plus douloureuses que le coronavirus. J'ai moi pour terminer vous dire, partager ce que pour moi le COVID-19 nous révèle avec différents éléments. Premier élément, le COVID-19 nous révèle la facilité avec laquelle on nous trompe. Vous allez me dire, mais on est quand même les enfants de Dieu. Mais Jésus va bien dire dans Matthieu chapitre 24, versets 23 et 24, « Si quelqu'un vous dit, le Messie est ici ou bien il est là, n'allez pas croire. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront
et produiront des signes formidables et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Et je me rends compte, à travers ce que nous avons vécu ces derniers mois, ce que nous avons partagé sur les réseaux sociaux, que beaucoup d'informations sont transmises sans même que nous les vérifions. Et la Bible nous prévient, nous disant que même les élus pourraient être égarés. Et pour des choses toutes simples, nous sommes déjà trompés. Je vous prends quelques exemples. J'ai vu quelques messages passer sur les réseaux sociaux. Un message il y a quelque temps qui disait que le pape veut en finir avec l'Église adventiste. Quelqu'un qui parle et qui dit que le pape a rencontré son grand frère et qu'il a discuté avec lui, qu'il lui a dit ses intentions. Sauf que lorsque vous vérifiez les informations, le pape n'a pas de grand frère. C'est lui qui est le plus grand et quand il est devenu pape, tous ses frères étaient déjà décédés. Donc, quand on a une information, il faut la vérifier. Autre chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux, entre autres, le pape François veut annuler la Bible et proposer un nouveau livre. Le site d'où ça vient, c'est thereisnews.com, il y a des nouvelles.com. Et tout de suite, en bas du titre du site internet, le sous-titre, c'est « Not real, but so funny ». Pas vrai, mais si amusant. Alors, l'information qui va venir de là est forcément fausse. Donc, parfois, nous transmettons des informations sans même nous rendre compte de savoir si elle est vraie, si elle n'est pas vraie. La Bible nous dit clairement, en Thessaloniciens 5, verset 21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Attention qu'on ne nous trompe pas. » Deuxième chose que le COVID-19 nous révèle, notre méconnaissance du fonctionnement de l'univers et du royaume d'amour de Dieu, ce qui fait de nous non des hommes libres, mais des esclaves. Peut-être que ce n'est pas dit comme cela, peut-être que ce n'est pas compris comme cela, mais en fait, à travers parfois ce que nous disons, ce que nous transmettons, on a l'impression que Satan pourrait nous faire faire des choses, comme diraient certains, à l'insu de notre plein gré, comme s'il aurait ce pouvoir de nous forcer à. Et nous oublions que Dieu nous donne la liberté, que le diable ne peut pas nous forcer à agir dans un sens ou dans un autre. Parfois aussi, on insiste beaucoup sur ce qui se passe en coulisses, ce qu'on fait aux États-Unis, ce que le pape est en train de réaliser, ce que les protestants vont faire, et on oublie que l'histoire est entre les mains de Dieu. Et que si quelque chose doit arriver, Dieu le permettra. On a également dans notre méconnaissance un principe que j'appellerai la ligne Maginot. Vous vous rappelez, ceux qui ont fait un peu d'histoire, que dans la Deuxième Guerre mondiale, on a préparé en France une ligne de défense pensant que les Allemands allaient venir par le même chemin qu'en 1914. Et parfois, nous attendons Satan sur certains endroits. Mais ça fait déjà 6000 ans qu'il nous connaît, qu'il nous surveille, qu'il nous ment. Il attaque parfois là où nous ne sommes pas en train de l'attendre. Et par rapport à ce principe de méconnaissance, nous avons peut-être les yeux trop fixés sur le pape et pas assez sur Jésus-Christ, notre grand prêtre, qui est en train d'intercéder pour nous au ciel. Focalisons-nous sur ce que Jésus prépare pour nous, plutôt sur ce que quelqu'un voudrait nous faire de mal. Troisième principe, troisième chose que le COVID-19 nous révèle, c'est notre manque de connaissance des événements de la fin. Beaucoup d'entre nous ont été surpris. On se pose des questions, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut le comprendre? On n'a pas forcément toutes les réponses. Et pour moi, cela veut dire que nous devrions être assurés, ayant lu la Bible, ayant étudié tout à l'heure, on va le faire encore, de ce qui doit arriver avant le retour de Jésus. Dernier élément que le COVID-19 nous révèle, c'est notre manque de relation avec Dieu. Dans le temps de confinement, nous avons peut-être passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps sur YouTube à écouter, à regarder les choses et à être dans des programmes. Mais tout cela, c'est de la relation avec Dieu par procuration. Le temps seul à seul avec Dieu a-t-il été plus long que le temps à regarder des choses? Sommes-nous juste des personnes qui sont consommateurs de religion ou sommes-nous des personnes qui ont une foi vivante avec Dieu? Sommes-nous dans l'attente particulière de ceux qui sont les yeux fixés sur Jésus-Christ ou sommes-nous de ceux qui se disent juste, il faut que je sois là, il faut que je regarde et d'autres vont me nourrir? S'il est un temps pour manger au restaurant, il est un temps aussi pour pouvoir, et je reviens à l'image de l'assiette,
faire la cuisine nous-mêmes et pouvoir en manger. Et j'ai bien aimé ce que quelqu'un a dit pendant le confinement par rapport à notre situation, en disant que quand la marée est haute, tout le monde est pareil. Mais quand la marée basse, là, quand la marée descend plutôt, c'est là où on voit qui est en maillot de bain et qui est tout nu. C'est quand nous sommes seuls à seuls avec Dieu que nous voyons quelle est vraiment notre situation. Et en conclusion, j'aimerais dire que peut-être que le COVID-19 nous tend un miroir qui nous montre que nous sommes vraiment à la odyssée, malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et en ce sens, il devient un signe des temps, pas pour ce qu'il est seulement, mais par ce qu'il est en train de révéler du peuple de Dieu et qu'il est en train de nous dire, attention, il est peut-être temps pour vous de vous réveiller, d'acheter ce collier, d'avoir l'or éprouvé par le feu, d'avoir des vêtements de justice, parce que Jésus revient bientôt. Et ma phrase de conclusion est la suivante. Nous voulons savoir ce que le COVID-19 veut dire, mais il faut surtout demander à Dieu ce qu'il a à nous dire à travers le COVID-19. Dieu a un message pour nous et il est important que nous puissions recevoir ce message. Voilà ce que j'avais à partager pour l'instant avec vous. Nous remercions donc Pasteur Cancel pour cette intervention. Alors, nous voulons dire à tous nos participants, à tous ceux qui sont sur la plateforme, que vous pouvez mettre vos questions, déjà écrire vos questions sur le chat, afin que nous puissions les répertorier, les classer, pour que nous puissions, pendant la période de questions-réponses, que nous puissions déjà les avoir. Donc, vous pouvez déjà inscrire vos questions donc sur le chat. Nous allons juste avoir un moment musical. Juste après, nous aurons donc l'intervention de Pasteur Dufette.
Maintenant, c'est au tour donc de Pasteur Dufaite qui va nous faire sa présentation. Alors, comme je viens de le dire, donc n'hésitez pas à mettre poser vos questions sur le chat pour que nous puissions donc les récupérer et tout à l'heure nous allons pouvoir répondre à vos questions. Pasteur Dufaite, c'est à toi. On m'entend maintenant? Oui, c'est bon, tu peux y aller, pasteur. D'accord, on peut, très bien. Comment faire mon... Voilà, très bien. Donc, nous allons considérer pendant quelques minutes ce sujet important concernant les sept fléaux. Et il faut savoir... que les sept fléaux ont place après la fermeture de la porte de la grâce. Comme pour le temps de Noé, où Dieu avait averti pendant 120 ans, Dieu a fait inviter et avertir l'humanité pendant près de 2000 ans. L'apôtre Pierre dit que Dieu patiente, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les hommes, malgré ces avertissements, ont préféré suivre leur propre voie. Mais le temps de grâce prendra fin bientôt et des décisions finales seront prises en ce qui concerne chacun. Et Ellen White nous dit que ce temps est proche. Le jour du jugement exécutif suivra la cessation de la grâce. Et les sept fléaux constituent le début de l'exécution des décisions prises à l'encontre de ceux qui n'auraient pas adoré leur Créateur, comme il est dit en Apocalypse 14, versets 6 et 7. La durée des fléaux correspond à la durée du temps de détresse. C'est ce que laisse penser Apocalypse 18. Versets 4, 7 et 8. Et il a dit, « J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. » Ça, c'est le message du grand cri lorsque la loi du dimanche est votée. Et au verset 7, il a dit, concernant Babylone, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle a dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. » Et Dieu déclare à cause de cela. En un même jour, et souligné, en un même jour, ces fléaux arriveront. Donc les fléaux vont arriver en un même jour. Et un jour prophétique, équivaut à une année. Il a dit, au cours de ce laps de temps, pour les fléaux, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Donc, voici la déclaration du fin de temps, de la fin du temps de grâce. Dans Apocalypse 22, 11 et 12, nous savons bien que cette déclaration quand Jésus dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste se juste soit, que le juste soit encore la justice, et que celui qui est souillé se souille encore, voici je viens bientôt et ma rédemption est avec moi. Ça c'est la déclaration pour la fin du temps de grâce. Donc entre cette déclaration et le retour de Jésus, il y a le déversement de sept fléaux. Dans Apocalypse 7, verset 1, nous soulignons sur qui
les sept fléaux vont tomber. On a vu dans le message de l'ange du chapitre 18 que Dieu demande à son peuple qui est à Babylone de sortir. C'est le dernier. Et là, lorsque ces derniers auront rejoint son camp, Apocalypse 16, 1 dit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Donc, quand la porte de la grâce est fermée, donc maintenant, les fléaux qui constituent la manifestation de la colère de Dieu à l'encontre des perdus va se manifester. Et souligner, le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère marqué et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, il est clair que les fléaux sont versés sur ceux qui auront pris la marque de la bête. Donc, tant que cette marque n'est pas mise sur pied, aucun fléau ne tombe pour toucher quiconque. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Et pourquoi? Avec la marque de la bête, on va priver aux enfants de Dieu de nourriture sur cette planète. Ils seront donc affamés. Et là, Dieu répond en affamant ceux qui voulaient affamer ses enfants en enlevant les ressources de la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Donc, avec la marque de la bête, non seulement les enfants de Dieu seront privés de nourriture, mais privés d'eau. Et là, Dieu répond en privant d'eau aussi, et bien ceux qui voulaient priver ses enfants d'eau. Et puisque il vise la mort des enfants de Dieu, Dieu leur donne du sang de mort à boire. Puisque la mort est intéressante, alors Dieu leur donne eh bien, le résultat du fruit de leurs actions envers ses enfants. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont justes et sont véritables et justes. » Maintenant, le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Donc, ce qui se fait actuellement, le réchauffement climatique, ce n'est pas le quatrième fléau. Il a dit, et les hommes furent brûlés par une chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc, le réchauffement climatique est le résultat des actions et des choix des hommes. La COVID, comme il a été dit également, c'est le résultat des actions des hommes. Mais ce n'est pas un envoi spécifique de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est encore marqué. Nous sommes en processus de marquage, et du côté céleste et du côté de Satan. Dans Apocalypse 16, versets 10 et 11, nous trouvons ce que la Bible dit avait déjà annoncé dans Isaïe 30, verset 26. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc la porte de la grâce étant fermée, le Saint-Esprit qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement, s'étant retiré de la terre. Donc, personne ne peut être attiré à Dieu. Et c'est pourquoi, souffrant des jugements de Dieu, ils ne peuvent se repentir. Donc, leur réaction n'est pas adoration, parce qu'ils avaient un autre objet d'adoration. Leur attitude envers Dieu, c'est blasphème.
Dans Ésaïe 30, verset 6, il a été annoncé que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son père et qu'il guérira la plaie de ses coups. Donc, on voit à force qu'on aura frappé les enfants de Dieu, soit physiquement, soit psychologiquement, soit socialement. Dieu répond pour son peuple. Et c'est pourquoi les éléments de la nature seront utilisés par Dieu pour pouvoir exercer ses jugements. Chapitre 16, verset 12, il est dit, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, le Frat, et son notarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût réparé. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Je reviens ici. Le fleuve de l'Euphrate, on se souvient, par rapport à la situation de la ville de Babylone, le roi Belshazzar s'appuyait sur ce fleuve. Et c'est pourquoi, alors que l'armée des Mèdes et Perses était à l'assaut de la ville de Babylone, le roi Belshazzar buvait tranquillement, il fêtait parce qu'il s'appuyait sur le fleuve qui était le point de sécurité pour la ville de Babylone. Mais Dieu avait suggéré à Cyrus ce qu'il fallait faire. Et c'est pourquoi on a bloqué en amont le fleuve, on l'a dévié, et c'est alors que le coup étant asséché, les soldats de Darius pouvaient entrer dans la ville de Babylone sans combat, tuer Belshazzar, et la ville a été prise. Et c'est par rapport à cette image de cet événement historique, Dieu fait savoir que Babylone s'appuie sur des peuples pour mener son action. Mais quand ces peuples-là vont voir qu'ils ont été trompés, comme il est prévu au chapitre 17, ils vont se tourner contre Babylone, lui enlevant leur soutien et les humains qui vont tenter de manger sa chair, qui veut dire révolte. Et c'est là que maintenant, Satan va intervenir pour ramener tout le monde. Et c'est là qu'il dit, puisque les gens se sentant perdus, retirent leur soutien, eh bien, à Babylone, alors Satan va utiliser le pouvoir des démons pour pouvoir maintenant ramener tout le monde. Et puisque le Saint-Esprit n'intervient plus dans les cœurs, il va reprendre l'ascendant et il dit, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus nous dit, à ce moment précis, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, puisqu'il se rassemble pour la guerre, pour la dernière bataille, alors ils ont fixé une date pour le déclenchement de la disparition des enfants de Dieu. C'est là où Jésus dit, maintenant, je viens comme un voleur. Et là, Hélène White dit que Jésus va proclamer le jour et l'heure de son retour. Mais ce jour et cette heure correspondent effectivement au moment où les méchants avaient décrété la mise à mort de tous les enfants de Dieu. Il est dit au verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, on a fait référence à la vallée de Megiddo, où les plus grandes batailles d'Israël ont eu lieu. Mais comme nous sommes dans une guerre cosmique, mondiale, puisque c'est toute la terre qui est en coalition contre le peuple de Dieu, vous comprenez, le peuple de Dieu n'est pas rassemblé
à Jérusalem, en Israël, seul, pour qu'il soit attaqué à ce moment-là. Le peuple de Dieu est disséminé partout sur la terre, car dans Matthieu 24, Jésus a bien dit que lorsqu'il reviendra, il enverra ses anges rassembler ses élus aux quatre coins de la terre. Donc, les élus ne sont pas tous rassemblés à Jérusalem pour cet Armageddon. Armageddon signifie montagne de carnage. Le carnage ne sera pas à l'encontre du peuple de Dieu, mais ce sera le carnage que Dieu va réaliser contre ceux qui voudraient détruire son peuple. Et on a vu Dieu réagir ainsi à maintes reprises pour son peuple, notamment dans l'affaire de Josaphat. Également dans l'affaire d'Ebenezer. Lisez 1 Samuel 7 et vous allez voir. Donc, le sixième fléau correspond au moment où les forces du mal vont se coaliser pour exterminer le peuple de Dieu. Et dans Daniel 12, verset 1, le prophète Daniel a vu en vision ce temps. Et c'est pourquoi il a dit, ce sera pour le peuple de Dieu un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Pasteur Dufay, fais avancer ton PowerPoint, s'il te plaît. On ne voit pas ta présentation. Ah bon? Alors, comment faire cela, puisque j'ai plein d'écran? Alors, c'est fixe sur... c'est fixé... Enfin, ça, il y a eu certainement un bug. Alors, je vais arrêter pour relancer. Ouais, arrêter et relance. Parce que... OK. Regarde maintenant si ça passe. C'est parce que je vois un autre écran là. OK. Très bien. Voilà. Bon. Et à présent? Non. Bon, ce que je vais faire, je mets la présentation pour toi. Ah, c'est bon, c'est bon. Parfait. Ça apparaît. C'est bon. D'accord. Donc, il a dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et c'est pourquoi on voit Jésus qui revient à ce moment précis. La bataille d'Armageddon, c'est le dernier combat entre Dieu et Satan. Armageddon signifie montagne de carnage. Armageddon est un rassemblement pour la guerre contre les enfants de Dieu. Et remarquez bien, c'est un rassemblement, mais on n'aura pas la possibilité d'attaquer aucun enfant de Dieu. Mais les méchants, ils n'auront pas le temps d'exécuter leur projet diabolique. Toutes les coalitions du diable ne pourront rien contre le peuple de Dieu scellé. Le carnage, ce sera eux à le vivre lorsque leur septième fléau tombera. Et dans Sophonie 1er 14 à 18, il est dit alors, leur chair sera comme de la poussière sur la terre, leur chair comme de l'ordure et leur sang comme de la poussière. Ainsi donc, Apocalypse 16, 17, au moment où ils vont vouloir attaquer, il est dit, le septième fléau est versé. Et là, il est déclaré sans effet. Et à ce moment précis, la Bible nous dit, il va y avoir des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et il est dit, la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêles n'ont pas un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.
Et ce fléau a été annoncé depuis au temps de Job. Et Dieu a dit à Job, j'ai un dépôt de grêle réservé pour le temps de détresse. Un talent pèse entre 26 et 32 kilos. 32 kilos. Alors, de même que Dieu, dans le temps d'Israël, avait eu l'occasion d'envoyer des pierres sur ceux qui venaient attaquer son peuple, Dieu va utiliser la même méthode pour défendre ses enfants. Et au lieu de penser à mettre à mort les enfants de Dieu, ils vont penser à chercher à éviter les montagnes bouleversées qui se déplacent, les îles qui s'enfuient, les villes qui tombent, qui seront plus à subir le carnage qu'à faire subir les enfants de Dieu un carnage. Donc, à partir de ces sept fléaux, il va y avoir deux festins organisés par Jésus. Le premier festin, c'est dans Apocalypse 19, 11 à 21. Il a dit, Jésus va remporter la victoire sur ceux qui avaient suivi la bête et le faux prophète. Et il a dit, je fis le ciel vert et voici par un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il jugeait combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les piqua avec une verge de fer et il foula la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse son nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et cria du fort disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête prise et avec elle le prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la main de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux seront rassasiés de leur chair. Voici comment finira Armageddon, et le premier festin aura lieu. Les perdus vont être mangés par les oiseaux. Et ainsi, pour le deuxième festin, pour ceux qui ont été scellés, alors c'est retrouvailles, le moment des retrouvailles avec Jésus, l'époux de l'Église et où le Père nous attend pour manger à sa table. Et nous invitons tous à être parmi ceux qui seront au décollage avec Jésus. Aujourd'hui, le choix entre nos mains pour être scellés afin que l'ennemi ne puisse nous atteindre quand les scellés seront mis en sécurité sur tous les plans. Que Dieu nous garde et nous fortifie. Thank you.
Alors, nous, juste avant que Pasteur Gustary Mac puisse continuer la troisième présentation, nous voulons juste dire à tous ceux qui attendaient la connexion sur YouTube que nous, malheureusement, un petit incident nous empêche d'avoir cette connexion YouTube. Cependant, nous enregistrons l'émission et nous allons, dans les jours à venir, mettre cette présentation donc sur le YouTube. Donc, nous nous excusons pour cela. Et mes pasteurs Gustary Mac, bien c'est à toi maintenant. Donc, continuez à poser vos questions donc sur le chat. Puisqu'après la présentation de Pasteur Gustary Mac, nous allons donc avoir cette période de questions-réponses. Donc, continuons à poster donc les questions sur le chat. Pasteur, c'est à toi. Ton micro? Tu peux, Pasteur Gustary Mac, tu peux m'identifier sur le chat, s'il te plaît. Ton appareil, c'est... Allô, allô. Pasteur, oui. Gustary Mac, lève la main avec l'application, comme ça nous pourrons t'identifier rapidement. Non, 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 avec la petite main bleue. Est-ce que tu peux, avec la petite main bleue, s'il te plaît? C'est bon, ah très bien. Jean-Robert, tu peux activer s'il te plaît? Ok, c'est bon. Très bien. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui sont sur la plateforme. Je vais présenter, dans cette présentation, il s'agira de chronologie biblique. Je ne sais pas si mon PowerPoint, voilà, il est là. Est-ce que, Jean-Robert, est-ce que c'est visible à l'écran? Pas encore. Ah, d'accord, donc je vais partager l'écran. Tout à fait. Je vais y aller. Choisis le PowerPoint dans le partage. Ah, d'accord, parfait. Partager l'écran. Je ne vois pas le. Oh, d'accord, il faut que je le mette là donc. Voilà, est-ce que ça va maintenant? Parfait, maintenant tu fais le mode présentation en bas. Voilà, tout à fait. C'est parfait. Très bien.
Ma présentation sera sur la chronologie des événements de la fin, les principaux marqueurs. C'est ce que nous allons considérer. Quels sont les éléments principaux que nous allons considérer en lien avec les derniers événements de la fin dans leur chronologie? Tout d'abord, il y a lieu pour nous de porter des informations en lien avec quelques définitions qui a lieu pour nous de porter. Tout d'abord, le terme prophétie. Certes, la plupart de ceux qui sont sur la plateforme savent comment définir la prophétie, mais c'est juste un rappel. Nous rappelons que la prophétie, c'est de l'histoire écrite en avance. L'Église adventiste souscrit à l'interprétation historiciste des textes bibliques, voyant la Bible dans sa réalisation prophétique, dans l'histoire de l'humanité, et pas juste des faits suspendus dans l'air, mais des choses qui se réalisent dans le concret, dans l'histoire des êtres humains. Le deuxième terme que nous allons définir, c'est la notion de chronologie. Lorsque nous parlons de chronologie, deux termes sont utilisés, le mot chronos qui signifie temps et le mot logos qui signifie parole. En fait, la chronologie, c'est la science qui vise à établir des dates, des faits historiques, donc la succession des événements historiques. Donc, pour parler de chronologie, nous permettre de comprendre de quoi nous parlons pour être clair là-dessus. Après avoir donné très brièvement ces informations en lien avec la chronologie, nous arrivons à trois remarques que je voudrais faire en préambule. La première remarque, c'est que dans notre interprétation, du moins dans la chronologie que nous allons voir ensemble, nous passerons du général au spécifique. Nous y arriverons dans un instant. Nous parlerons du général et du spécifique. Le deuxième point important, c'est qu'il faut noter que le texte prophétique, celui qui est son centre, c'est Jésus-Christ. Le Christ est au centre de la prophétie. Il ne faut pas chercher autre chose que le Christ. Donc, si nous lisons ce que le Christ lui-même va faire, quand nous lisons Luc chapitre 24, et nous lisons les versets 27 et versets 44, le Christ, interprétant le texte prophétique, partant de Moïse et traversant les prophètes et les psaumes, il va en effet révéler à ses disciples des choses qui le concernent. Nous allons voir qu'en fait, le texte prophétique, il est extrêmement important que nous puissions rechercher le Christ, son œuvre d'expiation, ce qu'il réalise dans le ciel en faveur des êtres humains. La troisième remarque, c'est le but de la prophétie. En fait, le but de la prophétie, c'est de renforcer la foi et l'espérance et pas simplement satisfaire la curiosité des êtres humains. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 29, le Christ nous invite à ne pas sombrer dans la spéculation, mais de voir que ce qu'il prédit a un objectif clair, c'est de pouvoir nous renforcer dans notre foi, dans notre conviction en lui, pour enraciner notre foi en lui. Donc, voilà pour ce qui concerne ces quelques remarques en préambule que je voudrais faire. Maintenant, j'aborderai cette chronologie essayant de me mettre dans la perspective de la manière dont Jésus et les apôtres ont perçu les textes prophétiques. Tout d'abord, Jésus n'a présenté dans son discours ou sermon eschatologique, nous allons remarquer ces discours eschatologiques qui sont consignés dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Marc 13 et Luc 21, Jésus ne va donner aucune information chiffrée ou datée quant aux prédictions qu'il va faire. Et ça, nous le trouvons clairement. Il parlera de la destruction de Jérusalem. Nous savons que cet événement s'est réalisé en 70, mais le Christ n'a donné à cet effet aucune information quant à la date précise que cet événement allait se faire. Pourquoi? La raison est simple, c'est que le prophète Daniel a déjà donné ces informations. Et Jésus nous renvoie donc à toute information de cette nature, c'est-à-dire en lien avec le temps, au livre du prophète Daniel. Et c'est ce qu'il indique dans Matthieu, chapitre 24, verset 15. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc lorsqu'il s'agit de chronologie et d'informations chiffrées et datées, le livre du prophète Daniel est certainement celui qui nous renseigne le mieux à ce sujet. Donc, nous remarquons que Jésus va non seulement va faire cette déclaration concernant Matthieu, chapitre 24, verset 15, il va le dire non seulement à ses auditeurs immédiats, ceux qui étaient présents au temps où il énonçait ses paroles, mais il adresse ses paroles à l'ensemble des croyants et aux êtres humains d'une manière générale. Dans le livre du
de Daniel, nous trouvons réunis et ce que j'ai qualifié ou que j'ai appelé deux modes de révélation prophétique. Et je vous disais tout à l'heure, nous avons parlé de général et de spécifique. Le mode général et le mode spécifique. Qu'entendons-nous par ces expressions? Le mode général, c'est que d'une manière générale, lorsque nous trouvons une prophétie que j'ai qualifiée de mode général, il n'y a pas de date, il n'y a pas de chiffre. Et le mode spécifique, par contre, vous avez des chiffres et des dates qui sont mentionnés. Le mode général, par exemple, nous trouvons dans le livre du prophète Daniel. Il n'y a aucune date mentionnée directement dans Daniel 2, par exemple. Mais nous nous posons la question, quelles sont les informations que nous donne ce texte de Daniel chapitre 2. Nous remarquons donc ces informations que donne Daniel. Nous avons dans Daniel 2, pour faire un bref rappel, pour ceux qui peut-être ont besoin qu'on puisse nous rappeler de cela, il est question d'une succession de 4 empires universels, bien sûr sous le symbole de cette image que le roi Nebuchadnezzar a vue, cette image avec plusieurs métaux, la tête d'or, la poitrine, les bras. Nous avons ici dépeint ce que ce soit Nebuchadnezzar ou que ce soit Daniel, ont vu en vision. En fait, il est répertorié ici l'histoire de l'humanité avant l'événement majeur qui est l'établissement du royaume de Dieu et qui est symbolisé par cette pierre qui frappe les pieds de la statue et qui fait voler en éclats tout ce qu'il y a d'humain. Et la parole de Dieu nous dit que cette pierre qui deviendra une grande montagne représente donc l'établissement du royaume de Dieu sur notre planète Terre. Maintenant, une information importante. Donc, vous disais, Daniel 2 présente la succession des grands empires avant l'instauration du royaume de Dieu. Donc, Babylone, Médo-Perse, la Grèce, aussi bien que Rome. Maintenant, il y a une information importante concernant le quatrième empire qui n'est pas donnée dans Daniel 2. Ou du moins, dans Daniel 2, nous trouvons cette information. C'est la dislocation de l'Empire romain, et qui est représenté, bien sûr, par les pieds de la statue de Daniel, et qui représente ici l'Europe des nations. Donc, nous avons la succession des empires, puis nous arrivons à la dernière partie de cette statue, ce sont les pieds. Vous avez certainement constaté que la pierre va frapper les pieds de la statue. En d'autres termes, ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que le royaume de Dieu va venir et il y a un temps qui va s'écouler entre les pieds et la pierre. Donc, cela veut dire que depuis 476, puisque c'est la date de la dislocation de l'Empire romain, le moment où l'Empire romain va se morceler, en 476, avec la destitution du dernier empereur romain du nom de Romulus Augustule, lorsque sous les invasions germaniques, en effet, nous trouvons l'Empire romain qui va se morceler, qui va se diviser. Donc, nous remarquons donc que depuis 476, nous vivons donc à l'époque qui précède le retour du Christ. Donc, depuis cette date, nous vivons le temps entre les pieds et la pierre. Donc, entre les pieds et la pierre, c'est là que nous nous situons d'une manière chronologique dans le texte prophétique. Ce que Daniel 2 ne donne pas, cependant, comme précision, ce sont les événements qui se déroulent et le temps qui s'écoule après le morcellement du quatrième empire et la survenue, bien sûr, de la mystérieuse pierre qui frappe les pieds de la statue. Donc, Daniel ne donne pas cette information, ni les événements qui se déroulent, je parle de Daniel 2, comprenons-nous, Daniel 2, ne donne pas cette information concernant le temps qui se déroule et les événements qui vont se dérouler entre les pieds et la pierre. C'est là ce qui nous introduit dans le deuxième mode de révélation prophétique et que j'ai appelé le mode spécifique de révélation. Qu'est-ce que nous entendons par là? Le mode spécifique, nous avons un exemple, nous avons des exemples dans la Bible. C'est que dans Daniel chapitre 7, chapitre 8, ce sont les prophéties parallèles de Daniel 2. Cependant, les informations que nous n'avons pas
énoncés dans Daniel 2 sont précisés dans Daniel 7 et Daniel 8, aussi bien que dans Daniel, les autres textes Daniel 10, 11 et 12. Mais je veux simplement particulièrement mettre l'accent sur ces deux prophéties parallèles, Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 8. Le mode spécifique, donc, va faire référence à des données chiffrées. Nous avons des données chiffrées, des dates précises qui sont mentionnées lorsque nous utilisons le texte de Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 8. Donc, ce qu'il faut souligner dans ce mode de révélation, c'est qu'il fait référence à un facteur temps, donc de la durée. Donc, dès que nous sommes en présence d'un facteur temps, nous sommes nécessairement en présence d'une durée. Il y a nécessairement, lorsque nous avons une durée, un point de départ et un point d'arrivée. Il y a nécessairement un début et une fin. Le moment où nous parlons de temps, lorsque nous parlons de durée, si je vous dis qu'à telle heure, à telle heure, quelque chose va se faire, nous donnons un espace-temps entre le moment où la chose va débuter et le moment où la chose va se terminer. Par exemple, la prophétie de Genèse au chapitre 15, versets 13 et 16, où Dieu va dire à son peuple qu'il va rester en captivité pendant 400 ans, ou du moins jusqu'à la quatrième génération. Cela veut dire nécessairement qu'il devait y avoir un point de départ lorsque Jacob est descendu avec ses fils en Égypte, et un point d'arrivée, la libération de l'esclavage d'Égypte sous la conduite de Moïse. Donc, nous constatons que lorsque nous arrivons au point spécifique, il y a des dates qui sont données, il y a des chiffres qui sont énoncés. Nous prenons un autre exemple. Jérémie également va mentionner un temps prophétique important, la période de la captivité babylonienne. Nous trouvons ça dans Jérémie chapitre 25, versets 11 et 12, aussi bien que chapitre 29, verset 10. Cette captivité devait durer 70 ans, c'est-à-dire depuis la première invasion babylonienne avec Nebuchadnezzar entre 605 et 605, et 606 et 605, et qui devrait aboutir entre 537 et 536. Donc, cela veut dire que lorsque nous analysons ce mode prophétique, il est question de période de temps précis. Période de temps précise. Donc, 70 ans, donc à l'issue des 70 ans, et en effet, nous constatons que le peuple est retourné à Jérusalem lors du premier décret de Cyrus en 537-538, où le peuple est retourné sous la conduite de Zorobabel et de Josué pour commencer à rebâtir Jérusalem. Donc, nous constatons que la période de captivité était chiffrée et la période est échue à un moment donné, un point de départ et un point d'arrivée. Puis, nous avons également cette durée de temps de 70 ans, cette durée à laquelle Daniel lui aussi va se référer parce qu'il est en quête lui aussi de précision quant à un autre temps prophétique, c'est-à-dire les 2300 soirs et matins qui lui avaient été révélés. Nous allons constater que dans Daniel 9, versets 1 et 2, il va vérifier dans le livre du prophète Jérémie que c'était vraiment 70 ans, puisque cette longue chaîne prophétique l'avait rendu très perplexe, il avait cru, et c'est là que nous pouvons comprendre cette plaidoirie puissante, cette prière d'intercession extraordinaire que nous trouvons au chapitre 9, puisqu'il a pensé à cause de l'iniquité du peuple, Dieu aurait prolongé sa captivité de 2300 années à Babylone. Et Daniel va plaider, et c'est là que nous avons à avoir la révélation dans Daniel 9, où Dieu va lui préciser que dans cette période de temps, il y avait 70 semaines, c'est-à-dire 490 ans, qui étaient réservés pour le peuple d'Israël, pour qu'il puisse accomplir sa mission, pour qu'il réalise les plans et les desseins de Dieu. Maintenant, le livre de Daniel est certainement ce livre qui mentionne le plus de temps prophétique, d'où l'invitation que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Quand nous nous situons dans le temps, si nous voulons avoir des informations concernant le temps, il faut simplement se référer à Daniel, c'est lui qui fait foi dans ce domaine. Je ne sais pas pourquoi on m'a placé un trait sur mon écran. Voilà, donc, les prophéties chiffrées, prenons quelques prophéties chiffrées dans Daniel avec leur période de début et leur période d'aboutissement. Dans Daniel 7, verset 25, nous avons les 1260 années, un temps d'éteint et la moitié d'un temps, qui débute en 538. Maintenant, je tiens à préciser pour toute personne qui n'aurait pas suffisamment d'informations,
dans vos sections locales avec vos pasteurs. Ils pourront vous donner les informations plus précises. Mais dans ce cadre-là, nous resterons de manière assez générale sur ce que nous avançons. Les précisions peuvent être données par la suite. Donc, nous avons 1290 ans également que nous trouvons dans Daniel, chapitre 12, verset 11. Date de départ 508-1798 et 1335 années, Daniel 12, verset 12, 508 à 1843-44. Donc voilà quelques éléments que nous trouvons dans le livre du prophète Daniel où il est clairement énoncé des éléments spécifiques par rapport au temps prophétique. Nous avons également les 2300 années dont nous venons de mentionner dans Daniel 8, verset 14, partant de 457 avec le décret d'Artaxerxès et qui aboutit en 1844. Maintenant, nous avons aussi, je viens de le mentionner également, les 70 semaines allouées à la nation juive pour qu'elle puisse accomplir la mission que Dieu lui a confiée en lien avec la révélation du Dieu du ciel. Au travers le peuple, Dieu voulait révéler ses plans et ses desseins. Donc, 490 années, et ça part de 457 et ça aboutit à l'an 34 de notre ère avec l'acte de rejet où le peuple et les principaux responsables ont bouché leurs oreilles lors de la lapidation d'Étienne, comme pour signifier que Dieu, il ne voulait pas entendre ce que Dieu disait. Maintenant, nous avons Jésus, lui, ne sera pas spécifique dans sa description des événements de la fin. Il ne donnera pas de date précise. Pourquoi ? Il renvoie, disais-je tout à l'heure, au livre de Daniel qui, lui, place les événements dans le chronos, donc dans le temps. Daniel place les événements dans le temps. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai juste deux barres qui se paraissent sur mon écran. Peut-être que ça veut dire quelque chose. C'est à moi de comprendre, de voir comme s'il y a un trait qui se passe. Donc, permettez-moi de préciser que Jésus connaissait-il, je pose la question, Jésus connaissait-il la prophétie de Daniel? Pour moi, la réponse est claire. Oui, Jésus connaissait. Il savait qu'il vivait sous le règne du quatrième empire mentionné dans Daniel 2. Il savait donc également que l'empire romain devait se désagréger d'après Daniel chapitre 2. Donc, Jésus avait connaissance de ces informations. Il avait connaissance de ces faits. Donc, si Jésus avait connaissance de ces faits, nous devons également nous poser la question, Jésus pouvait-il donc se situer dans le temps? Est-ce qu'il pouvait bien sûr, il pouvait se situer dans le temps. D'ailleurs, quand il commence son ministère public, sa première déclaration est en relation avec le temps. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La question, à quel temps Jésus faisait-il allusion? C'est les 70 semaines de Daniel chapitre 9, verset 24 dont il était question. Commentant justement ce texte de Marc, chapitre 1er, verset 15, l'auteur du livre Jésus-Christ, commentant ce passage, va déclarer ce qui suit. Le message évangélique donné par le Sauveur avait sa base dans les prophéties. Le temps qui était, j'ai un problème, je ne parviens pas à voir sur le côté de mon écran certains mots, qui était accompli, était la période révélée par l'ange Gabriel, révélée à Daniel par l'ange Gabriel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mener, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle et la vision du prophète. En fait, ce que je voulais simplement mentionner, c'est que l'auteur du livre Jésus-Christ nous dit qu'en fait, lorsque Jésus fait cette déclaration, il est conscient du temps. Il est conscient des 70 semaines qui devaient s'écouler et il est conscient qu'il est dans le temps prophétique et singulièrement, il sait quelle est sa mission dans ce temps prophétique qui est mentionné dans le livre de Daniel. Bien plus, Jésus avait connaissance de l'émergence de ce pouvoir mentionné dans le texte parallèle dans Daniel chapitre 7, c'est-à-dire la petite corde. Jésus savait par conséquent que l'Empire romain devait se morceler et qu'il y ait un pouvoir qui devait émerger et que ce pouvoir devrait exercer son hégémonie pendant 1260 années, son action, ses œuvres répressives. Donc Jésus savait cela. Et c'est pour cela que lorsqu'il annonce dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21,
les signes de la fin, vous constaterez qu'il mélangera les signes de la destruction de Jérusalem avec les signes de la fin des temps. Le Christ savait qu'il y aurait un temps important qui devait s'écouler avant son retour et il voulait garder la foi des disciples intacte pour que ce dernier ne perçoive pas que les choses ne se dérouleraient pas aussi rapidement qu'il l'espérait. Donc Jésus savait compter. Jésus connaissait les Écritures et comprenait les Saintes Écritures. D'ailleurs, nous trouvons dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il confronte le diable, il va utiliser, il est écrit en des termes clairs, et faisant face aux dirigeants religieux de son temps, il va leur dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, si Jésus leur dit qu'ils ne comprennent pas, c'est que lui les comprenait, comprenait les Écritures, et comprenait la puissance de Dieu, et il était en capacité de l'expliquer. Donc, Jésus comprenait les prophéties et les informations, et ceci, nous allons marquer qu'il va faire, dans les informations qu'il va donner, il ne va pas faire allusion à leur accomplissement dans le temps. Il savait que cela était donné par le prophète Daniel. Paul également savait, ou du moins, Paul va se positionner également dans le temps. Il a dû porter des précisions aux chrétiens de Thessalonique quant à la parousie. N'oublions pas que Paul vivait aussi sous l'Empire romain. Et faisant allusion à sa première lettre où il disait que les croyants devaient être réunis avec Dieu lors de la résurrection, nous trouvons Paul, nous allons trouver l'apôtre Paul, qui va porter une précision importante. Parce que dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, il va leur préciser que la parousie ne devrait s'accomplir que lorsque l'homme du péché apparaîtrait. Et il dit, il fallait que celui, et c'est ce que nous lisons dans 2 Thessaloniciens, et maintenant vous savez ce qu'il leur retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il est en train de parler de ce que Daniel va mentionner dans Daniel chapitre 7, c'est-à-dire l'émergence de ce pouvoir qui devrait émerger des 10 cornes du morcellement de l'Empire romain. Donc Paul devait, avant que Jésus ne revienne, il fallait, dit-il, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Donc il savait que pour que l'homme de péché apparaisse, il fallait que l'empereur romain puisse sortir, et c'est ce qui s'est placé, vous savez avec moi historiquement, que le centre de l'Empire romain va se déplacer de Rome à Constantinople. Et c'est là, à ce moment, que l'évêque de Rome va commencer à prendre de l'ampleur, et en effet, nous trouverons à ce moment-là commencer l'émergence de cette petite corne qui devrait se placer dans son autorité, exercer un pouvoir répressif à l'encontre des enfants de Dieu. Après ces informations générales, arrêtons-nous maintenant sur la chronologie des événements selon notre compréhension en tant qu'adventiste. Voici comment nous vont se dérouler les événements qui doivent précéder le retour de Jésus. Mais avant de présenter cela, il y a lieu de porter une précision importante. Il faut d'abord souligner qu'après la prophétie des 2300 soirées matins, il n'y a plus de prophétie chiffrée. En d'autres termes, lorsque nous parlons des événements de la fin, nous ne parlons plus de date précise. Le moment où nous arrivons aux événements de la fin, il n'y a pas de date après 1844, qui est l'aboutissement de la prophétie des 2300 soirées matins. Ça, c'est important de le préciser, mais nous parlons d'événements précis. Nous ne parlons pas de date précise, mais nous parlons d'événements précis qui vont se dérouler entre cette date de 1844 et le retour de Jésus. Donc, quels sont ces événements précis? Donc, voilà pour conclure notre présentation, la chronologie des événements et les principaux marqueurs. Premièrement, la première venue de Jésus note d'abord ce que l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux déclare et dit « Lorsque, après avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs façons à nos pères, dans les derniers jours, Dieu nous parla par son Fils. » Donc, les événements de la fin ont réellement commencé avec le sacerdoce de Jésus sur terre et qu'il poursuivra après son ascension. Deuxième élément dans la chronologie, nous arriverons à une période d'intolérance religieuse qui est mentionnée par le prophète Daniel de par cette petite corne qui devait émerger de 538 à 1798.
Donc, la période de temps, nous retrouvons l'intolérance religieuse. Puis, après cette date, d'après Daniel chapitre 7, il est dit dans Daniel 7, après l'émergence de la petite corne, nous allons trouver ce fils de l'homme qui apparaît devant l'ancien des jours. Nous trouvons donc la période de jugement, les juges s'assirent et des livres furent ouverts. Donc, nous allons trouver qu'après cette période d'intolérance religieuse, nous allons trouver l'émergence, donc, nous allons trouver, donc, disais-je, plutôt le jugement de Dieu qui va s'effectuer sur la planète Terre. Ou du moins, le jugement de Dieu dans le sanctuaire céleste en lien avec les êtres humains sur la planète Terre. Donc, l'intolérance religieuse, puis nous arrivons à la purification du sanctuaire. Cette purification qui correspond non seulement à l'œuvre du jugement dans le ciel, mais aussi ce que Daniel 8, verset 14 dit, le sanctuaire sera purifié. C'est le même événement qui est mentionné de manière différente dans les deux chapitres. Puis, après cette date, de 1844, c'est la dernière date que nous avons. Nous entrons maintenant dans des événements et nous n'avons plus de date précise. Cependant, dans la chronologie, nous trouvons la pluie de l'arrière-saison mentionnée dans Apocalypse 18. Cet ange qui éclaire toute la terre représente le peuple de Dieu qui est baptisé par son esprit. Donc, représenté ici, la pluie de l'arrière-saison, ça c'est un événement qui se produira pour permettre à ce que les enfants de Dieu, les hommes et les femmes découvrent le message biblique de manière claire et comme disait Pasteur Dufaite, personne n'a encore été marqué, mais après que la pluie de l'arrière-saison et que le message sera proclamé à ce moment précis, les hommes seront en demeure de se déterminer face au message qu'ils auront entendu. Et à suite de cela, dans la même dynamique, maintenant, vous remarquez, nous ne pouvons pas chiffrer le temps et de dire à quel moment les événements vont se dérouler de manière précise, mais nous pouvons donner la chronologie de ces événements. Puis, nous avons le scellement. Donc, les enfants de Dieu seront scellés, ils vont être scellés et ils ne pourront plus bouger et rien ne pourra les secouer. Enfin, nous aurons l'expiation qui sera achevée dans le ciel, puisque une fois scellés, il n'y a plus rien d'autre à attendre. Donc, l'expiation. Donc, Jésus, ce fameux sans effet fatidique va être prononcé. Et une fois que c'est prononcé, donc, la porte de la grâce est fermée. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons les sept derniers fléaux, mentionnés par Pasteur Dufaite qui tout à l'heure. Le temps de trouble de Jacob, c'est-à-dire la période où les enfants de Dieu vont vivre sur cette terre sans intercesseur, mais scellés déjà. Ils n'auront plus rien à craindre, mais ils vont voir ce que le mal représente réellement. Lorsque le diable a plein pouvoir, ils verront ce qu'il est capable de faire sur la planète Terre. Quand bien même, ils ne seront pas atteints eux-mêmes, Dieu les protégera. Donc, le temps de trouble de Jacob. Et enfin, Dieu qui viendra par Jésus dans la parousie pour venir chercher ses enfants. Voilà pour la présentation concernant la chronologie des événements de la fête. Merci pour votre attention. Merci donc, pasteur Augustin Rimac, pasteur Cancel et pasteur Dufaite pour ces trois présentations. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous allons avoir des questions. Nous allons avoir dans un premier temps une première série de questions. Et ensuite, après, nous allons donner à une ou deux personnes de poser une question directe à partir de la plateforme, et nous allons passer ensuite après une deuxième série de questions. Alors, est-ce que Jean-Robert peut nous afficher la première série de questions? Voilà. Donc, la première question, y aura-t-il un faux retour de Jésus à un moment précis? Alors, certainement, la personne veut savoir où la Bible nous met-elle en garde de façon générale contre les faux Christ et les faux prophètes pour la fin des temps. Ensuite, deuxième question. Y a-t-il une différence entre le temps de détresse et le temps de trouble de Jacob? Si oui, lequel aura lieu avant le temps avant la fin du temps de grâce des Adventistes?
Troisième question, que pensez-vous de la maladie et de la prophétie aujourd'hui? Quatrième question, alors selon Matthieu chapitre 24, on peut difficilement déduire que tout ce qui arrivera et qui est de nature mauvaise, qui va à l'opposé de la parole de Dieu, peut être classé comme un événement annoncé par ce dit chapitre. Alors, dans le cadre du COVID-19, la personne aimerait savoir si c'est la gravité, le nombre de victimes enregistrées, d'une épidémie ou d'une pandémie qui va pousser quelqu'un à accepter comme l'accomplissement d'une prophétie. S'il n'y a pas eu tant de victimes, serions-nous en mesure de concevoir ainsi? Alors, nous allons déjà, dans un premier temps, répondre à ces quatre questions. Alors, la parole est laissée aux intervenants pour pouvoir donc répondre à ces quatre questions. Qui voudrait se lancer? On peut remettre les questions, Jean-Robert? Alors, la première question qui voudrait apporter un élément de réponse. Alors, soyons précis. Alors, pour que le maximum de nous puissions répondre au maximum de questions, nous allons essayer d'être précis, que ce soit dans les questions ou aussi dans les, et aussi dans les réponses. Je vais me lancer pour la première question. Y aura-t-il un faux retour de Jésus à un moment précis? C'est ça. La question est sortie sous sous l'écran. Il est clair que dans Matthieu 24, le Christ dit clairement qu'il y aura des faux Christs et de faux prophètes. Si on vous dit le Christ est ici ou il est là, n'y allez pas, ne le croyez pas. Donc Jésus va donner dans Matthieu 24, des indications claires quant à la façon qu'il va revenir. Jésus précise donc, que, et c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui nous renseigne là-dessus, il va nous dire comment se fera son avènement. Il ne touchera pas le sol, il ne posera pas les pieds sur terre. Il viendra et il dit l'ensemble de la terre, en même temps, verra son apparition. Donc il ne s'agira pas pour les êtres humains d'aller dans un coin de la terre pour découvrir que Jésus est dans un coin de la terre. Lorsque le Christ revient pour la seconde fois et revient avec puissance et grande gloire pour éliminer le mal dans l'univers, définitivement détruire le péché partout où ce dernier se trouve. Donc, en fait, le Christ va revenir et il y aura, en effet, des faux Christ, puisqu'il dit de faux Christ et de faux prophètes. Donc, il n'est pas étonnant que certains se feront passer pour Christ. Et nous savons que tout ce qu'il y a de faux ne peut venir que de l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Christ, c'est-à-dire le diable. Donc, ça veut dire en clair, il ne serait pas étonnant non plus que le diable lui-même, et dans la plume inspirée, cela nous est dit, et il nous est rapporté que le diable simulera avant le retour de Jésus, il va simuler son second retour. Merci. Maintenant, en ce qui concerne la différence entre le temps de trouble de Jacob et le temps de détresse. Le temps de détresse commence lorsque la loi du dimanche est votée. Ça, c'est quand la loi du dimanche est votée, c'est le début du temps de détresse. Et le temps de détresse commence lorsque la porte de la grâce est fermée. Et le temps de trouble de Jacob, cela se fait au sixième fléau pour la bataille d'Armageddon, lorsqu'on va décréter une date pour mettre à mort tous les enfants de Dieu le même jour sur la planète Terre. C'est cela le temps de trouble de Jacob. Et le peuple de Dieu va crier pour sa délivrance. Et c'est là où on va voir des manifestations physiques dans le ciel, ténèbres, arc-en-ciel qui entoure le peuple de Dieu et ensuite jusqu'à l'apparition de Jésus. Donc, le temps de trouble se situe entre le sixième fléau et le septième fléau. Merci. Par rapport à,
la question des faux Christ. Je vais juste, si je peux partager l'écran un instant, vous montrer un article du Monde qui est paru en 2018. Un artiste qui a suivi 7 personnes dans le monde, 7 hommes qui sont convaincus d'être le Christ. Donc, il y en a un, par exemple, qui s'appelle Vissarion, qui est en Sibérie. Vous en avez un en Afrique du Sud. On nous montre sa casquette. Lui, il est le roi des rois, c'est Jésus. Donc, ce sont des choses qui existent déjà. On a un ancien agent des services secrets britanniques. Donc, ce n'est pas, c'est pas pour plus tard, c'est déjà pour maintenant que des faux Christ apparaissent déjà. Ok, merci. Pasteur Navrère, est-ce que tu voulais apporter un élément? Oui, je voudrais juste dire que la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et la manifestation du retour du Christ, puisque la question était particulièrement, est-ce qu'il va y avoir un faux retour de Jésus? Alors, puisque Dieu est un feu dévorant, la Bible est claire là-dessus, il me semble qu'on peut ajouter à cela le texte d'Apocalypse 13 où il est dit qu'il opérait de grands miracles, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc, il va y avoir certainement des manifestations puissantes et, entre guillemets, glorieuses sataniques qui vont imiter cet événement final qu'est le retour de Jésus. Maintenant, par rapport au temps de trouble, je prie ceux qui ont le livre « Événements des derniers jours » de lire au chapitre 10 où il est titré « Un bref temps de trouble ». Et ils vont découvrir qu'il y a deux étapes dans le temps de détresse. Deux étapes, et le temps de détresse dans le livre d'événements des derniers jours est aussi appelé temps de trouble. Mais Ellen White fait bien la différence entre le début du temps de trouble et l'autre partie, comme il a été mentionné tout à l'heure, où commencent les fléaux. Donc, vous lisez le chapitre 10 et vous allez avoir un petit peu plus de détails sur ces deux temps de trouble. On parle même un temps de trouble du peuple de Dieu et un temps de trouble pour le monde. Les fléaux, c'est le temps de trouble qui va affecter le monde, mais il va y avoir un temps de trouble qui va affecter d'abord le peuple de Dieu, et elle en parle dans ses chapitres d'événements des derniers jours. Voilà. Merci. Alors, la question 3 et la question 4, on pourrait peut-être les combiner, puisqu'il y parlait ici de maladie, de prophétie, et la personne posait la question par rapport au chapitre 24 de Matthieu. Est-ce qu'on peut faire un lien entre le COVID-19 ou encore à quel stade que la maladie devrait arriver pour qu'on puisse déclarer que c'est un accomplissement prophétique? Est-ce que quelqu'un pourrait donner donc une réponse? Quand on regarde la définition du COVID-19, les sigles, on va dire, médicaux, je ne les connais pas tous par cœur, disent COV2, SRAS-COV2. Ça veut dire que c'est le deuxième comme ça. Rappelez-vous, dans les années 2003, on a eu quelque chose du même genre. Il y a eu aussi au Moyen-Orient, ça devait être 2008 ou 2009, une percée comme ça. On a eu la grippe espagnole, on a eu d'autres choses comme ça. En fait, ce n'est pas tant l'intensité du fléau, c'est le fait qu'il y ait cette épidémie qui, pour moi, est le signe, parce que Jésus dit qu'il y aura des épidémies. Il n'a pas forcément dit qu'il y aura de graves épidémies, mais il a simplement dit qu'il y aura des épidémies. Donc, c'est le fait qu'il y ait des épidémies qui devrait nous sensibiliser à ce que Dieu voudrait nous montrer. Merci. Alors, nous allons... Alors, je voudrais juste ajouter à ça, si vous me permettez. Tout à l'heure, Pasteur Gustave-Max disait que et la Bible dit, c'est la Bible qui dit que les derniers temps commencent avec la venue de Jésus. Et Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il a établi héritier de toutes choses. Donc, dans ces derniers temps, il y a un début, il y a une fin. Donc, quand on arrive vers la fin des derniers temps, les choses s'intensifient. Et je pense que l'universalité de ce fléau est pour moi une marque
que cette fléau-là, ce fléau-là doit être retenu comme un signe qui marque le temps de la fin. On peut avoir des épidémies localisées, mais quand une épidémie frappe le monde, ça ne peut pas ne pas attirer notre attention. Et il me semble que cette universalité, le caractère universel ou mondial du fléau, fait de lui un événement encore plus marquant des temps de la fin. Merci beaucoup. La cinquième question, à quel moment pouvons-nous placer cet événement? Donc, c'est une citation de Patriarche et Prophète à la page 255. La personne donc fait allusion à ce passage. Il est parlé donc de la colonne de nuée de feu dans Ésaïe chapitre 45, versets 5 et 6, décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. Maintenant, sur toute l'étendue, dit la citation, du mont Sion, sur toutes ses assemblées, l'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée et pendant la nuit l'éclat d'un feu flamboyant. Dans un der ou encore un baldaquin abritera, car un der baldaquin abritera toute sa gloire. Il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour, comme la chaleur, et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Alors, la personne demande à quel moment peut-on placer cet événement. Bon, juste pour aider la personne dans la compréhension de cette citation. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que pour pouvoir placer un événement, un texte qu'il cite qu'en partie, il aurait fallu que nous ayons l'ensemble du texte pour que nous soyons en mesure de donner une réponse à sa question. Mais n'ayant pas le texte en lui-même dans son contexte, donner, le placer, ce serait un peu difficile. Il est important, lorsque nous donnons un avis sur comment situer un texte dans la chronologie biblique, il est important de savoir le contexte dans lequel ce texte a été écrit, de quoi il était question, pour ne pas faire hors-sujet. Donc, je recommanderais avant de pouvoir donner une réponse à cette question, il aurait fallu pouvoir situer le texte qui est énoncé dans son contexte. Alors, sur cette question, Ellen White va citer Ésaïe, je vais te regarder, Ésaïe 4. 45. 5 et 6, 4. Verset 5. Alors, lorsqu'on regarde donc cette page de Bitre, on est bien dans la fin des temps, mais elle va dire juste avant le passage qu'elle sort. Enfin, Ésaïe va dire juste avant le passage qui est cité, quelque chose qui va nous montrer qu'on est plutôt à la fin. Dans ma version, j'ai verset 3, que le reste de Sion, les survivants de Jérusalem, seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem afin de vivre. Quand le Seigneur aura nettoyé les saletés des filles de Sion, lavé Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle du jugement, par un souffle d'incendie. Il créera, là on prend la citation qu'on a vue dans Patriarche et Prophète, en tout lieu de la montagne de Sion, etc. Donc d'après ce que je comprends du contexte, on est bien dans un contexte de fin des temps, mais quand tout est vraiment terminé. Et ça fait lien avec Apocalypse 22, où on voit Dieu qui est la lumière de la ville, et ils n'ont plus besoin de jour parce que c'est lui qui est leur lumière. Ok, nous allons avoir... Alors, un mot clé est utilisé dans le texte d'Ésaïe qui attire notre attention, c'est le mot « Sion ». Et les restes de Sion sont les restes de Jérusalem. L'Éternel établira, sur verset 5, sur toute l'étendue de la montagne de Sion. Or, dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, il est dit que les 144 000 sont avec l'agneau sur la montagne de Sion. Dans ce texte, il y a un certain nombre d'expressions qui sont utilisées comme étant feu, nuée pendant le jour. C'est de la symbolique. Ces éléments-là étaient utilisés pour la protection des enfants d'Israël dans le désert. D'accord? De même, à la fin des temps, Dieu va aussi assurer la protection de ses enfants de jour comme de nuit, car ils seront menacés par leurs ennemis. Cependant, ces mêmes enfants de Dieu qui sont sur la montagne de Sion, d'après Jean dans l'Apocalypse, vont faire éclater la gloire de Dieu.
Okay? Et donc, Dieu, au verset 6, il est bien dit qu'il s'agit de protection, puisqu'il est dit qu'il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc, il s'agit de protection. Donc, n'ayons pas peur, les événements seront graves, mais Dieu nous promet par cette parole de nous protéger. Ok, merci. Très bien, nous allons, pour la première série, il nous manque encore deux questions. La question 6, quand le temps de grâce aura pris fin, les 7 fléaux commenceront à pleuvoir sur la terre. Est-ce bien cela qui voulait répondre? Tout à fait. Quand le temps de grâce prend fin, les 7 fléaux commencent, puisque c'est quand le grand cri est clos, il n'y a plus d'invitation au salut. Jésus dit, sans effet, l'Esprit Saint se retire de la terre, les enfants de Dieu sont scellés. Il est dit, on donne ordre aux sept anges d'aller verser les sept coupes de la colère de Dieu. Donc, tant qu'il y a grâce, il n'y a pas de colère. Et lorsque la grâce n'existe plus, maintenant, c'est la colère. Et on dit, les fléaux vont tomber sur ceux qui ont pris la marque de la bête malgré l'avertissement de sortir de Babylone. Donc, tous ceux qui vont rester dans l'autre camp se déclareront opposés à Dieu et seront donc camp ennemi que Dieu va maintenant juger comme passible de mort. Merci. Alors, question 7, dans Exode chapitre 20, verset 4, il est parlé de ne pas faire d'image taillée ni de représentation quelconque. Alors, pourquoi les chrétiens, dont les adventistes, utilisent des images du monde pour représenter Jésus-Christ? Lorsque nous analysons cette déclaration, nous remarquerons, par exemple, que dans le sanctuaire israélite, Dieu dit qu'il ne devait pas y avoir de représentation de quoi que ce soit. Cependant, nous trouvons, sous la tapisserie du temple, des chérubins qui étaient tissés. Donc, nous allons trouver un certain nombre de choses qui étaient tissées artistement. Il y avait une représentation des anges. Ce qu'il faut souligner, en fait, c'est que les enfants de Dieu sont invités à ne pas révérer, à ne pas adorer des objets. Ce n'est pas de ne pas illustrer ce que nous souhaitons transmettre, mais ce n'est pas adorer ces choses. C'est ce dont il s'agit dans le commandement invitant à ne pas se prosterner, à ne pas les faire pour se prosterner devant ces images. Donc, ce que nous faisons à travers les choses qui sont ici, ce sont des illustrations dont l'objectif est la compréhension de ceux qui, en effet, nous écoutent pour permettre une meilleure transmission d'informations. C'est un outil pédagogique simplement, mais ce n'est pas un objet d'adoration. Merci. La dernière question, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose, sans quoi nous passons à la question 8? Alors, le propitiatoire, il y avait effectivement deux anges sculptés, hein, mais c'était une pédagogie pour illustrer ce qui se ferait lorsque Jésus deviendrait grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Effectivement, il faut faire la différence entre les deux choses. Merci bien. Question 8, à quel moment interviendra le sans effet? On a déjà donné un élément de réponse, mais on peut peut-être ajouter, amplifier. Oui, simplement quand l'évangile aura fini de faire son travail d'après Matthieu 24, verset 14, il est dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Dès que la prédication est terminée, donc Jésus dit, sans effet, tout le monde a entendu, chacun aura fait un choix, soit pour Jésus, soit pour la bête. Il y a deux camps bien définis. Là, maintenant, la porte de la grâce se ferme. Merci. Alors, à ce moment, nous allons prendre deux questions. Alors, il y a Pasteur Voltaire et il y a AG qui a levé sa main. On va lui donner la possibilité d'intervenir. Ensuite, après, ce sera Pasteur Voltaire.
Je ne sais pas qui est HG. J'ai vu le chat qu'il y a marqué c'est une erreur. Donc, c'est je ne sais pas si. D'accord. Ok. Passons à Vrère alors. Dis-moi, dans la liste des questions, est-ce qu'il y avait une question concernant le scellement? Non, pas encore. Ce que je veux dire là maintenant concerne le scellement. Très bien. Ben, quand nous allons passer. C'est pas. Ça va venir. Question. D'accord, merci. Pasteur Toulassi. Oui. Attends, il y a Pasteur. Pasteur Vol. Juste pour dire que j'ai le fichier de la présentation que je vais envoyer sur le chat pour ceux qui sont intéressés pour ma présentation. Très bien. On peut le mettre déjà sur le chat? Je vais le mettre. D'accord, ok. Pasteur Voltaire, vas-y. Oui, voilà, merci bien. Alors, je voudrais simplement apporter un complément d'information à la question qui avait été posée concernant la simulation du retour de Jésus par le diable. Invitez donc ceux qui veulent à aller dans la tragédie des siècles, le chapitre « Le temps de détresse », c'est le 39e chapitre, la page 677, et il y a un descriptif assez détaillé qui est présenté de la façon dont Satan lui-même va simuler le retour de Jésus. Et c'est un passage qui est assez saisissant. Voilà, merci. Merci, Pasteur Voltaire. Nous allons passer au chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question avant que nous puissions prendre la deuxième série de questions? Non? Bien. Alors, nous allons passer à la question 9. Que représente la montagne de laquelle se détache la pierre? La question 10. Y a-t-il une différence entre le temps de détresse et le temps de trouble de Jacob? Si oui, lequel aura lieu avant la fin du temps de grâce des Adventistes? Question 11. Qui est cet homme de péché? Et c'est qui l'Antichrist? Alors, la question 9, que représente la montagne de laquelle se détache la pierre? Qui voudrait répondre? Alors, quand on regarde, la montagne représente le royaume de Dieu et la pierre représente le retour de Jésus qui vient étendre le royaume de Dieu sur cette terre. Dans Matthieu 6, versets 9 et 10, les chrétiens disent à Dieu que ton règne vienne. Et on voit bien que la petite pierre fait disparaître la statue. Il ne reste plus aucun vestige humain lorsque la pierre tombe. Et comme on a vu dans les sept fléaux, c'est Jésus lui-même qui vient pour faire disparaître les nations qui veulent mettre son peuple à mort. Donc, ce n'est que Jésus seul qui peut faire disparaître toute la politique humaine pour établir le cinquième empire universel. Donc, les chrétiens disant à Dieu, quand ton règne vienne, Dieu répond par le retour de Jésus. Et dans la prophétie biblique, Jésus est appelé la pierre angulaire, le rocher des siècles. Et c'est ce rocher des siècles qui est la base du salut. Et dans Ésaïe 25, verset 9, lorsque les élus vont voir Jésus revenir, ils vont dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Car Jésus est celui qui, d'après Ésaïe 7, doit établir le royaume de Dieu sur terre et donner de l'accroissement à l'empire de Dieu. Ésaïe chapitre 7. Merci beaucoup. Que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, si je devais ajouter quelque chose, il faut mettre en évidence le fait que lorsque nous analysons le texte de Daniel 2, l'accent n'est pas mis sur la montagne, l'accent est mis sur la pierre.
Et je pense que s'il est vrai qu'on peut donner une interprétation à la montagne, mais dans le texte lui-même, ce qui est fondamental, c'est l'action de la pierre qui fait éclater, qui fait voler en éclats, comme l'a si bien dit Pasteur Dufet, tous les vestiges humains pour établir le royaume de Dieu. Et nous trouvons en effet, dans le texte biblique, à réitérer foi, le Christ est appelé la pierre angulaire, le rocher, nous trouvons cette expression, le rocher qui nous a suivis dans le désert, c'était Christ. Donc en fait, le symbole du rocher représente véritablement Jésus, qui en effet vient établir le royaume de Dieu. Donc l'accent est mis sur la pierre et pas sur la montagne dans le texte que nous avons considéré. Non, on ne peut pas dire que la montagne ne voudrait pas dire quelque chose, mais d'une manière générale, comme le Jésus le faisait dans son style caractéristique d'enseignement, il ne faudrait pas prendre chaque élément d'une parabole pour essayer de lui donner une signification des fois. Il faut prendre ce qui est signifié, ce que le Christ a voulu transmettre comme message, et ne pas chercher des fois à donner une signification à chaque élément. Merci beaucoup. Puis-je ajouter quelque chose? Alors, j'ajoute que, à cela que ce que nous devons prendre, il y a un principe d'interprétation. L'ensemble des textes bibliques qui parlent de pierre et de montagne dans la Bible. Et ça, c'est important pour nous de faire cette recherche-là et de comprendre que le royaume de Dieu ne s'établit pas par le Christ uniquement. Apocalypse dit qu'il a vaincu avec les élus, les fidèles et les appelés. Ils vaincront avec lui. Donc, pour établir son royaume, il l'établit d'abord dans les cœurs. Avant de l'établir physiquement et visiblement sur terre, il établit ce royaume dans les cœurs. D'accord? Et depuis 1844, Jean dit que Jésus a pris possession du royaume. Et Ellen White confirme cela en disant que la venue de l'ancien vers l'ancien des jours, du Fils de l'homme vers l'ancien des jours pour prendre possession du royaume, la purification du sanctuaire, l'époux, l'entrée dans le temple, c'est une seule et même chose. Ce qui veut dire que l'établissement du royaume, ce n'est pas le retour de Jésus simplement. C'est depuis 1844 où Jésus établit son royaume. Et il vient chercher les sujets scellés de son royaume à son retour. Mais il a déjà établi son royaume dans les cœurs avant de l'établir physiquement, visiblement, sur cette terre à la fin des 1000 ans. Donc, la pierre qui se détache de la montagne, quelle est la montagne? Si on met Daniel en relation avec Apocalypse, on verra que sur la montagne se trouvent les 144 000 qui sont sur la montagne de Sion avec Jésus. Et quand on sait que Jésus va faire une œuvre extraordinaire avec les serviteurs scellés du sceau, qui sont les 144 000 pour aller prêcher l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, on sait que cette prédication de l'évangile va poser, frapper un coup fatal au royaume satanique. D'accord? Puisque Babylone est tombée, dit le deuxième message. Donc, Jésus, pour l'établissement de son royaume, se sert aussi de son église. Car le corps du Christ, ce n'est pas seulement la tête, c'est aussi le corps. Donc, on peut inclure, crois que Daniel 2 ne nous donne pas les détails de cette affaire, mais si on fait une étude approfondie entre Daniel et Jean, eh bien, on peut comprendre que la victoire et l'établissement du royaume se fait par la puissance du Christ qui agit à travers son peuple et qui pulvérise les royaumes de la terre, parce que le deuxième message dit que Babylone est tombée. Maintenant, le royaume, c'est aussi l'établissement physique du royaume à la fin des 1000 ans, quand il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ok, merci Pasteur Navrère. Question 10. Y a-t-il une différence entre le temps de détresse et le temps de trouble de Jacob? Si oui, lequel aura lieu avant la fin du temps de grâce? Bon, la personne ajoute des adventistes. J'ai déjà répondu à cette question-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Pasteur Dufet y a répondu tout à l'heure. On peut passer à la question suivante. Très bien. Pasteur Navrère a répondu tout à l'heure, Pasteur Dufet, à cette question. Oui. Comme Pasteur Navrère avait juste un élément à ajouter, c'est concernant le scellement. Le scellement. Donc, on va continuer alors. Oui.
Alors, c'est justement, ce que je devais dire a justement à voir avec ce temps de détresse de Jacob et cette fin de grâce pour les adventistes. Donc, c'est un rapport. Hein. Maintenant, si je dois en parler au moment où on posera la question initialement, je vais revenir là-dessus. D'accord, ok. On va avancer. Question 11, qui est cet homme de péché? Alors, je crois qu'un des intervenants a mentionné l'homme de péché. Alors, est-ce qu'on peut donner un élément? Oui, en fait, c'est moi qui ai mentionné. En fait, le contexte dans lequel j'ai mentionné la question de l'homme du péché, c'est que nous constatons dans la prophétie de Daniel 2, aussi bien qu'on a Daniel 7. Il est question singulièrement dans Daniel 7. Dans Daniel 2, nous n'avons pas l'information, puisque une exégèse du texte, en analysant le texte de Daniel 2, nous n'avons pas l'information, nous avons des informations, disais-je, au départ, ce sont des informations générales. Nous n'avons pas d'éléments spécifiques. Par contre, quand on arrive dans Daniel chapitre 7, nous trouvons la dislocation de l'Empire romain symbolisée par les 10 cornes sur la tête de l'animal et cette petite corne qui émerge au milieu des 10. Nous trouvons effectivement l'homme du péché symbolisé, puisque nous allons remarquer ici, il est question d'un pouvoir qui parle avec arrogance, qui a des paroles blasphématoires. Et le blasphème, par définition, c'est lorsqu'on s'arroge des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et nous trouvons dans Daniel 7, verset 25, où il est dit en effet que ce pouvoir espérerait changer les temps et la loi de Dieu. Et nous savons effectivement dans la chronologie biblique, ce pouvoir-là, lorsque le centre de l'Empire romain a s'est déplacé de Rome à Constantinople, l'évêque de Rome a commencé à prendre beaucoup d'importance pour finalement parvenir à s'imposer. Et lorsque la dislocation de l'Empire romain sous les invasions des barbares se sont réalisées, c'est Rome, le Rome dans sa dimension religieuse, qui a pris le relais. Et il s'agit effectivement de cet évêque de Rome qui prendra, et c'est de lui qu'il s'agit, et c'est de lui qu'il est question dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alors, je crois que la question qui suit, va un petit peu dans ce sens-là, c'est qui l'Antichrist? Alors, ce serait bien que ceux qui interviennent puissent afficher, mettre leur vidéo juste pour l'intervention, c'est possible. Alors, c'est qui l'Antichrist? En fait, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un Antichrist, c'est ce que dit l'apôtre Jean. Il y a des Antichrists. Tous ceux qui s'opposent à Jésus-Christ dans son plan constituent un Antichrist. Maintenant, nous avons ce qui fait que nous soulignons cet Antichrist en particulier, qui est l'Église de Rome qui a apostasié, c'est par le fait que cette Église constitue à un instant T l'Église que le Christ a laissée sur cette terre. Et c'est ce qui fait que nous mettons l'accent dessus. Mais les antéchrists, c'est tout ce qui s'oppose à Jésus dans son plan rédempteur, aussi bien que dans son désir de ramener le salut. Donc, tout ce qui s'oppose au Christ constitue, c'est ce que dit Jean, il n'y a pas un seul antéchrist, mais il y a des antéchrists, tous ceux qui s'opposent à Jésus. Donc, l'homme du péché est compris parmi les antéchrists. Très bien. Alors, nous allons continuer. Alors, il y a quelqu'un, Talbot, bon, je crois qu'il a dû raccrocher. Alors, nous allons passer à la série C des questions. Quelqu'un demandait, pouvez-vous recommencer la chronologie des événements de la fin? Donc, Pasteur Gusaïma, ce serait peut-être bien de, si tu peux mettre sur le chat ou encore l'avais listé. Donc, je ne pense pas qu'on va pouvoir reprendre toute la chronologie. Mais si tu pouvais donner la possibilité sur un document, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux? Peut-être les reprendre rapidement hein, pour celui qui souhaiterait. Donc tout d'abord, nous avons la première venue de Jésus, particulièrement le début de son ministère,
d'après Hébreux chapitre premier, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Ensuite, nous avons la période de l'intolérance religieuse qui viendra à partir de l'émergence justement de l'homme du péché mentionné par Paul dans son épître aux Thessaloniciens. Donc, le pouvoir religieux, Rome dans sa phase religieuse de 538 à 1798. Puis, nous entrons après cette période-là, puisque nous savons qu'après la période de persécution, Daniel 7 montre qu'il y a le Fils de l'homme qui apparaît devant le juge, et le Fils de l'homme qui vient devant l'Ancien des Jours. Les livres sont ouverts et des juges qui s'asseyent. Donc, il y a la période du jugement qui commence tout de suite après cette période de persécution. Et nous constatons, en effet, ce qui cadre avec la question de la purification du sanctuaire 1844. Donc, ces deux événements sont exactement les mêmes. La venue du Fils de l'homme devant l'Ancien des Jours et la question de la purification du sanctuaire. Donc, c'est en effet à partir de 1844, donc quelques temps après 1798, que nous avons cet événement. Donc, c'est le troisième événement. Puis, nous avons Apocalypse 18, la pluie de l'arrière-saison. Le dernier message, ce que nous appelons le grand cri. Donc, le peuple de Dieu qui annonce le message de l'Évangile sous la puissante influence de l'Esprit-Saint et qui achèvera l'œuvre que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14. Donc, cette œuvre qui se fait aujourd'hui, mais qui manque de force, qui manque de puissance, parce que l'esprit est déficient au niveau du peuple de Dieu. Donc, c'est ce qu'il faudrait, à mon sens, souligner. Donc, troisième fait, nous avons la pluie de l'arrière-saison. Et dans cet événement, le scellement se produit. Et puis, finalement, lorsque le scellement se produit, il n'y a plus lieu. Dès que Dieu scelle, c'est-à-dire que le nombre des rachetés est complet. Donc, l'expiation est achevée. Jésus prononce ce fatidique, en effet. Donc, nous avons les sept derniers fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Le temps de trouble de Jacob, donc cette période de trouble que Jacob, donc une période où les enfants de Dieu seront particulièrement perplexes en lien avec, ils seront pardonnés, ils seront scellés, ils seront déjà mis à part et sauvés. Cependant, ils auront une profonde crainte par rapport au fait s'ils n'auraient pas des choses qu'ils n'auront pas fait parvenir avant eux, c'est-à-dire des péchés cachés, mais quand ils vont sonder leur cœur, ils ne vont pas en trouver. Et enfin, c'est la parousie, donc le Christ qui viendra. Donc, c'est un condensé de la chronologie des derniers événements. OK, merci. Alors, question 14, comment interpréter l'intolérance religieuse dans le monde oriental aujourd'hui? Dans les pays, par exemple, de l'Asie, des pays musulmans, etc. Est-ce qu'on peut apporter un élément de réponse? Certainement en lien avec les événements de la fin. Bon, il me semble qu'on est dans une guerre et que tous les moyens sont bons pour empêcher la grande proclamation qui doit être faite pour que les habitants du monde entier puissent connaître le message de l'évangile éternel. Donc, comme de tout temps, le diable a utilisé les nations, les royaumes pour s'opposer au peuple de Dieu, eh bien, les nations et les royaumes qui s'opposaient au peuple de Dieu avaient des dieux, des croyances différentes. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc, il y a des nations qui ont des croyances différentes et qui vont farouchement s'opposer et qui peuvent être utilisées par l'ennemi pour s'opposer à l'action évangélique. Satan sait très bien que lorsque l'évangile va finir, lui aussi, il va finir. C'est pourquoi Ellen White nous dit, il fait tout pour contrecarrer le plan de Dieu. Et c'est pourquoi il fait que les adventistes restent assis sans prêcher l'évangile afin qu'ils soient trouvés légers et perdus et que lui, on lui donne du temps encore pour perdre les hommes. Ce que l'esprit de prophétie nous dit. Donc, on comprend que il combat, et on a vu dans Daniel chapitre 11 comment le combat entre le chef du royaume de Perse qui ne voulait pas laisser aller le peuple de Dieu et chapitre 10, chapitre 11 de Daniel, et on voit Gabriel qui est là pour lutter jusqu'à la libération.
Donc, si dans cette perspective, on voit que Satan mène une guerre farouche pour s'opposer au dessein de Dieu. Et on a vu que cela a duré 3 semaines. On comprend bien que Satan fait beaucoup pour ralentir la fin de la proclamation de l'Évangile, car sinon c'est sa fin à lui-même qui serait rapproché. Et on comprend pourquoi il y a des bastions qui sont résistantes au message, mais Dieu va susciter des moyens que nous ne pouvons pas connaître aujourd'hui pour faire que son Évangile pénètre dans ces endroits. Aujourd'hui, avec le mouvement des émigrés, nous voyons ces pays fermés à l'Évangile qui, maintenant, arrivent à des pays ouverts afin que des individus aient maintenant la liberté d'entendre un message qu'ils n'auraient jamais entendu chez eux. Merci beaucoup. Nous allons avancer puisque l'heure file. Hein? Nous sommes à la question 15 maintenant. Le fait qu'il n'y ait plus de chronologie précise après 1844 voudrait-il également signifier qu'il n'y a plus de repères chronologiques précis? Est-ce qu'il n'y a pas une subtilité à ce niveau-là? Une nuance? Ton micro. Vas-y. Oui, lorsque nous parlons... Oui, quand nous parlons de chronologie, la question de la personne, est-ce qu'il n'y a pas... Nous faisons une différence. Nous faisons une différence dans les modalités de prophétie d'ordre général où on a des informations de manière générale. Mais maintenant, dans le cas, nous avons le temps, le dernier temps prophétique que nous avons, c'est le temps de 1844. Cependant, les événements, il y a des événements qui vont se dérouler. Donc, nous n'avons pas de temps précis. Cependant, les événements dans leur chronologie successive, nous devons savoir qu'après tel événement, nous devons quelque part attendre tel autre événement qui devrait se réaliser. Donc, s'il est vrai que nous n'avons pas de temps, mais nous avons les événements précis qui doivent se réaliser. Donc, non point de date, mais d'événements précis. Nous n'avons pas de date précise, mais nous avons des événements précis qui vont se réaliser avant le retour du Christ. Merci. Bien, la question 16, nous allons passer sur la question 16, puisqu'on avait déjà répondu. La question 17, il me semblait, d'après l'esprit de prophétie et la parabole des noces, que le scellement précède la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est là que je voudrais intervenir pour parler du scellement. La fin du temps de grâce de l'Église, c'est en fait dans le contexte du scellement. Parce que ce qu'il faut considérer, c'est que le dernier événement de la période du scellement, c'est la pluie de l'arrière-saison qui vient faire en sorte que le fruit soit maintenant mûr et prêt à être cueilli. D'accord? Donc, la pluie de l'arrière-saison doit être considérée et être comprise comme étant un événement qui est à la fois dans la vie des individus, hein, mais particulièrement pour quand il s'agit du peuple tout entier, le peuple de Dieu sur la terre, c'est le dernier événement avant que les serviteurs de Dieu fassent un travail final. Alors, comprenons bien. Et posons-nous quelques questions rapidement pour bien comprendre. Dans la Bible, qui sont les serviteurs de Dieu? Parce que Apocalypse chapitre 7 dit qu'il scelle les serviteurs. Et il n'est pas dit le scellement est donné à tout le monde. Le scellement est donné aux serviteurs, concerne les serviteurs d'abord. Maintenant, quand on lit Matthieu 22, les serviteurs, ce sont eux qui font l'invitation au repas des noces. Quand on lit Matthieu 24, versets 44 à 51, les serviteurs, ce sont ceux qui donnent la nourriture aux autres serviteurs au temps convenable.
Quand on lit Matthieu 25, les serviteurs, ce sont ceux qui reçoivent des talents et qui doivent les faire fructifier. Bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur, leur dit Jésus, le maître à la fin. Donc, les serviteurs, ce sont ceux qui sont directement au service du maître. Donc, c'est son église, son corps. D'accord? Le scellement commence par le jugement ayant commencé par la maison de Dieu. Ce jugement va se terminer d'abord pour la maison de Dieu. Donc, l'église du Christ va recevoir ce scellement. Et quand l'église aura été ainsi scellée, reflète parfaitement le caractère de Jésus, les 144 000 qui sont ceux qui sont scellés sont montrés par Jean comme étant sur la montagne de la sainteté, la montagne de Sion. Et ceux-là qui sont irrépréhensibles, sans reproche, vierges, purs, rachetés des hommes, vont devoir prêcher les trois messages d'Apocalypse 14 de façon à faire l'invitation finale aux habitants de toute la terre. Et ces habitants de toute la terre vont être sauvés comme au travers du feu. Parce que c'est les tout derniers instants avant que la porte de la grâce soit fermée et que Jésus ne revienne. D'accord? Donc, il y a d'abord le jugement qui commence par la maison de Dieu. Ça va prendre un certain temps pour que Jésus ait des personnes à son image, qui portent son nom. Et puis, sitôt que l'Église sera prête et ayant reçu le scellement, le caractère de Dieu est confirmé. Si vous lisez les écrits d'Hélène White, vous allez voir que le sceau de Dieu, c'est aussi le scellement du caractère. D'accord? Donc, une fois que ça c'est prêt, le peuple de Dieu peut révéler la gloire de Dieu, puisque le texte d'Ésaïe dit que la terre, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Donc, une fois que Jésus sera en mesure de faire apparaître sa gloire au sein de son peuple par le triomphe de l'amour, de l'unité, du caractère de Jésus, eh bien, il va pouvoir faire une œuvre extraordinaire d'invitation au monde entier. Tous ceux qui vont recevoir l'invitation vont pouvoir entrer dans la salle des noces, recevoir le manteau de justice, la robe de justice, et être préparés à être enlevés avec les saints des derniers jours. Voilà ce que je peux dire rapidement, sans pouvoir entrer dans tous les détails, puisque le temps ne le permet pas, ni les circonstances. Cela veut dire qu'il faudrait que nous ayons un sujet bien spécifique par rapport au scellement, puisque c'est un moment bien important dans le processus final des événements. Nous allons avancer. Alors, il ne nous reste que 10 minutes. 10 minutes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Alors, il y a des participants qui demandent aux intervenants est-ce que ce serait possible qu'ils aient un support pour leur présentation. Donc, si vous pouvez le faire, peut-être que si vous l'avez maintenant, ce serait bien. Si vous ne l'avez pas, bon, ce serait peut-être aussi bien qu'on puisse le mettre à un moment précis sur soit le YouTube ou autre pour que vous puissiez donc avoir les supports. Alors, nous allons avancer. Nous avons une main levée. Une main, Nicole Ménard. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, alors, ma question est la suivante. Dans la sixième plaie, la Bible parle d'un lieu appelé Armageddon. Est-ce seulement un lieu ou y a-t-il une autre signification? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait apporter un élément de réponse? Il me semble que dans sa présentation, Pasteur Dufet a parlé de ça. Mentionné. Oui, il pourrait intervenir. Oui, Pasteur Dufet. Reprends la question. Tu peux reprendre la question. Alors, oui. Alors, dans la sixième plaie, la Bible parle d'un lieu appelé Armageddon. Est-ce seulement un lieu ou y a-t-il une autre signification? La sixième plaie. Oui. Armageddon signifie montagne de carnage, puisque quand on regarde la vallée de Megiddo, puisque nous sommes dans un cadre prophétique,
et symbolique. C'est pourquoi j'ai dit que les plus grandes batailles du peuple de Dieu a eu lieu dans la vallée de Jizréel, vallée de Josaphat ou vallée de Megiddo. Et comme c'est un lieu qui est réputé pour les plus grandes batailles, Dieu va prendre ce lieu symbolique, tout comme Babylone est symbolique aussi, pour démontrer l'amplitude de cette bataille. Et c'est pourquoi, comme on le voit, le trio diabolique se met d'accord et on voit donc les esprits méchants vont vers les rois de toute la terre pour les rassembler pour le combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Les élus ne sont pas rassemblés dans la vallée de Megiddo. Les élus ne sont pas rassemblés à Jérusalem. Les élus sont disséminés partout sur la terre, mais partout où se trouvent les enfants de Dieu. De même que la marque de la bête est votée et touche les enfants de Dieu autour de la planète, il est dit qu'on ne pourra ni acheter ni vendre, on ne pourra pas prendre de billets pour voyager pour aller en Israël. Jésus ne nous a pas donné rendez-vous en Israël. Jésus vient nous chercher où nous sommes, où nous avons averti le monde. Donc, et c'est pourquoi dans Matthieu 24, Jésus, il est dit, envoie ses élus, rassemblez ses élus. Jésus envoie ses anges, rassembler ses élus aux quatre coins de la terre. Donc, les élus sont partout sur la planète, mais pas simplement dans la vallée de Megiddo. C'est un symbole qui démontre l'amplitude du combat qui va envelopper toute la planète. Donc, on peut dire qu'Armageddon, c'est la planète Terre, le lieu où Dieu vient entrer en conflit, enfin, mener le combat contre ses ennemis et qu'il va vaincre et qu'ils seront comme des cadavres seront répandus sur toute la Terre, le sang va être versé, comme dit le texte. Voilà. Donc, Armageddon, la Terre, lieu où Dieu mène le combat final contre le diable et son armée. Alors, juste pour faire un petit point, il y a beaucoup de sujets qui reviennent, hein? Mais cet après-midi, nous avons ciblé que quelques sujets, mais il y a beaucoup de sujets, par exemple la marque de la bête. Il y a aussi le sujet sur l'œcuménisme. Vous comprenez très bien que dans les quelques minutes qui nous restent, nous ne pourrons pas développer ces thèmes-là, mais cela veut dire qu'il nous faudrait avoir encore d'autres moments pour pouvoir en parler. En tout cas, cet après-midi, ce que nous avons voulu faire, c'est de permettre que nous puissions établir les bases pour que nous puissions, en tant que peuple de Dieu, peuple de la prophétie, que nous puissions aller dans le texte biblique, étudier la parole pour que nous puissions tirer le maximum de profit et avec nos pasteurs, avec nos anciens, avec ceux qui étudie cette prophétie, eh bien, pour pouvoir tirer le maximum d'enseignements. Nous allons encore prendre trois questions et ensuite, après, nous allons pouvoir clore ce moment. Est-il vrai que les enfants de Dieu ne subiront pas la grande tribulation? Est-il vrai, c'est la question 21, est-il vrai que les enfants de Dieu ne subiront pas la grande tribulation? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? Apocalypse 7, verset 13 à 15, nous voyons le vieillard, l'un des 24 vieillards dit à Jean que ceux qui sont revêtus de robes blanches, ils viennent de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et comme on a vu, le temps de détresse, c'est pour les derniers vivants qui seront scellés et qui doivent traverser le temps de détresse ou le temps des sept fléaux. Voir Jésus revenir. Donc, les élus sont sur terre quand il y aura tout ce déchaînement d'éléments qui constituent le jugement exécutif ou pré-exécutif de Dieu. Donc, ils sont là, ils sont en détresse et Jésus vient les délivrer de cette détresse-là. Daniel 12, verset 1. Matthieu 24, de grande détresse. Qu'il y aura à la fin de l'histoire du monde. Et cette année, très comme Pasteur Dufet a dit, c'est pour le peuple de Dieu, mais aussi avec les différents fléaux qu'on voit, ça concerne ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc, ça veut dire que la terre entière va être en détresse, que l'on soit d'un côté ou d'un autre.
la détresse sera différente parce que nous, on attend le retour de Jésus et d'autres sont dans les souffrances par rapport au fléau. Mais on est vraiment dans un temps où la terre entière souffre de cette détresse qui est là. Merci. Alors, puis-je ajouter à cela rapidement, frère, mes amis. Dans le livre Vers Jésus, Le meilleur chemin, où il y a d'autres titres, la servante du Seigneur dit que la plus grande guerre qui ait jamais été menée dans l'univers, c'est la guerre contre le moi. Donc, la plus grande détresse, le temps de détresse de ceux qui doivent recevoir le sceau, c'est la lutte profonde, terrible qu'ils doivent mener contre le moi et qui les rend odieux aux yeux du monde. Parce que pour mener cette lutte-là, il faut se séparer du monde. Il ne faut pas avoir les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes pensées. Ils vont être différents. Donc, ceux qui vont vaincre le moi et qui vont voir l'image de Jésus rétablie en eux auront eu à passer par une tribulation personnelle et terrible, plus la tribulation générale qui va y avoir lieu lorsque viendront les fléaux, etc. Mais remarquez bien que Ésaïe dit qu'au moment du temps de détresse, le pain et l'eau de ses enfants seront assurés. Donc, ce n'est pas tellement le temps de détresse qui est terrible pour le peuple de Dieu. C'est surtout le temps où ils doivent vraiment mener cette guerre contre le diable, contre le péché, contre le moi, de façon à pouvoir recevoir le sceau de Dieu. Et une fois qu'ils ont reçu le sceau, la paix de Dieu descend dans leur cœur. Même si le monde est bouleversé, ils sont en paix. Ils vont quand même s'interroger de savoir si leur péché a été pardonné. Jésus va les rassurer parce qu'à un moment donné, le texte dit qu'ils verront la lumière de Dieu va briller sur eux. Même les méchants ne pourront pas les regarder. Le texte de la tragédie du siècle dit que Dieu va leur annoncer le jour et l'heure de la venue de Jésus et ils vont pouvoir se rassurer. Mais la tribulation, c'est avant le temps de détresse. C'est ça le plus important parce qu'il y a le temps de détresse du peuple, de l'Église qui vient avant. Merci, Pasteur Navraire. Il y a une main qui s'est levée. On va donner à cette personne, cette dernière personne, la parole. Oui, je dis bonsoir à tous mes bien-aimés. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc c'était juste pour répondre un peu à la question initiale concernant est-ce que le peuple de Dieu passera par le temps de détresse, c'est ça? Oui. Oui, effectivement. Donc, pour juste ramener, apporter une pierre à l'édifice, comme notre bien-aimé du fait nous a fait part. Donc, c'est intéressant de toujours nous référer à ce que la parole de Dieu nous révèle concernant ces événements, parce que nous savons aujourd'hui, dans ce courant religieux populaire dans lequel nous nous trouvons, nous savons qu'il y a cet évangile de prospérité qui sévit et qui font croire justement à cette église qui sera enlevée avant le temps de détresse. Et il est important pour nous aujourd'hui de pouvoir vraiment nous situer et comprendre ce que l'Éternel nous révèle dans sa parole. Donc, effectivement, comme il nous a fait mention à travers la lecture d'Apocalypse 7, nous voyons ici que le peuple de Dieu devra passer par ce temps de détresse. Notamment également dans Apocalypse 3, nous voyons également où l'Éternel devra faire passer tous les habitants de la terre par ce temps d'épreuve où il nous a été fait mention dans Apocalypse 3 concernant l'église de Philadelphie, où il nous a été dit où les habitants de la terre seront éprouvés. Et nous voyons également, lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, nous voyons où se trouvait le peuple de Dieu lorsque les fléaux étaient déversés en Égypte, n'est-ce pas? Donc, ils étaient bien sous la terre. Donc, c'est important pour nous de garder en mémoire qu'effectivement, le peuple de Dieu devra passer par ce temps de détresse, mais ayant cette assurance que Christ sera leur protecteur, seul Christ sera leur protecteur à travers ces fléaux qui sera déversé à travers ce temps de détresse. Donc, c'est important de toujours nous référer à ce que la parole de Dieu nous révèle, mais non écouter c'est tout ce que nous entendons à tout va de doctrine. Donc, c'est important pour nous de pouvoir nous référer à ce que la parole de Dieu nous révèle. Merci, merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Pasteur Luxon, Bernard Luxon,
Alors, juste avant, vous comprenez bien que nous avons lancé ce moment de partage cet après-midi. Certainement, avec la grâce de Dieu, nous reviendrons encore, puisqu'il y a des sujets qui sont très importants et qui seraient bien d'adresser. Et nous allons, dans le temps, vous annoncer quand est-ce que nous aurons encore l'occasion de pouvoir nous retrouver, si c'est la volonté du Seigneur, pour pouvoir encore débattre de certains autres sujets, surtout dans les événements qui touchent, les événements prophétiques qui touchent la fin des temps. Pasteur Bernard, c'est à toi. Voilà, c'est bon. Merci. Donc, le débat était passionnant. Les présentations étaient d'appoint, les questions très appropriées. Toutefois, nous sommes arrivés à la fin et nous pouvons dire nous sommes désolés pour toutes les autres questions qui n'ont pas été répondues. Donc, nous voulons en résumé vous présenter quelques points très importants à retenir dans le cadre de l'interprétation et la compréhension prophétique. Donc, j'essaie de mettre... Voilà. Alors, quelques outils très importants pour une bonne compréhension et interprétation des événements prophétiques. Donc, j'irai très vite. C'est juste un résumé de ce qui a été dit, que vous avez bien entendu et que vous avez pris des notes. Alors, très important, le texte d'Apocalypse 5, versets 19 à 21, nous rappelle des choses très importantes. D'abord, il faut faire attention à l'Esprit de Dieu qui nous a été donné comme consolateur. Donc, il ne faut pas tristesser et éteindre l'Esprit de Dieu. Et ensuite, il nous faut faire attention aux prophéties. Donc, ne pas maîtriser ou mépriser les prophéties, parce que les prophéties nous ont été accordées pour notre édification, donc très important. Et ensuite, dans cet ordre-là, l'apôtre Paul nous invite à examiner toutes choses et ensuite retenir ce qui est bon. Donc, l'important pour l'étudiant de la Bible, c'est d'écouter, étudier et ensuite, sous l'inspiration de Dieu, examiner les choses et retenir ce qui est bon. Alors, quelques principes qui ont été donnés. Donc d'abord, dans Amos chapitre 3, verset 7, il a été dit, « Le Seigneur, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, vu que nous n'avons pas de prophète, entre guillemets, mais nous avons l'Esprit de Dieu qui est là pour nous diriger dans la compréhension de sa parole. Donc, par l'Esprit de Dieu, Dieu continue à parler à son peuple. Et maintenant, comme nous dit Jésus, « Maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Donc, quelque part, Jésus nous donne un principe très important à noter, c'est que la prophétie est mieux comprise qu'après sa réalisation. Donc, il n'est pas important pour nous de toujours faire des prédictions, mais c'est attendre ce que Christ dit et ce que la prophétie a dit, et après la réalisation, nous allons maintenant analyser, voir ce qui a été dit, et ensuite dire que Dieu l'avait dit, Dieu l'avait prédit. Et comme il a été dit, selon Luc chapitre 24, Jésus est le centre de la Bible, le centre de la prophétie. Donc, ce n'est pas les événements, ce n'est pas le temps prophétique, mais c'est Jésus qui est le centre de la prophétie. Ensuite, nous avons la primauté de la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, l'importance de placer la Bible toujours au centre de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Donc, très important de reconnaître la place et l'importance de la Bible.
Et comme il a été dit, le salut ne vient pas par la connaissance des événements, la connaissance d'un temps, la connaissance des choses, mais le salut que nous obtenons de Dieu vient de la connaissance de Dieu et de Jésus. Donc, c'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. » Donc, il a été aussi fait mention de la vision prophétique, de la vision du temps prophétique selon les adventistes. Donc, nous, il y a plusieurs interprétations prophétiques, mais les adventistes adhèrent à la compréhension et à la vision historiciste, hein, historique de l'histoire. Donc, nous ne disons pas que les prophéties ont été réalisées ou que les prophéties seront réalisées, mais les grandes lignes prophétiques, comme c'est le temps, donc il est linéaire. Donc, on suit l'histoire et aussi il y a le principe d'interprétation jour et nuit. Dans Tragédie des siècles, Madame White nous rappelle une chose très importante, que ceci. Elle nous dit, mais l'esprit n'est pas donné et il ne le sera jamais pour remplacer les Écritures. Celle-ci déclare positivement que la parole est la pierre de touche de tout enseignement et de toute vie morale. L'apôtre Jean a écrit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Et le prophète Ésaïe, nous l'avons dit tout à l'heure, nous dit « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. » Donc, très important de comprendre et d'accepter ces vérités bibliques. Donc, dans Jean chapitre 16, le verset 13, nous l'avons dit, « L'Esprit, le Consolateur, hein, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. » Et toute la vérité, c'est la vérité inscrite dans la parole de Dieu. Peut-être que nous n'avons pas la compréhension, parce que nous savons que la compréhension est progressive, mais la vérité, elle se trouve dans la Bible, en Jésus. Et nous l'avons dit tout à l'heure, Jean 17, verset 17, « Je mets l'accent, sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. » Donc, la sœur, quelque part, dans Conquérant Pacifique, à la page 520, elle nous fait cette invitation très importante où elle nous invite à lire dans le même temps, conjointement, le livre de Daniel et Apocalypse. Donc, pour nous qui sommes des étudiants de la Bible, il est très important de toujours associer notre étude diligente de la Bible, de Daniel, à celle de l'Apocalypse. Et aussi, quand nous étudions l'Apocalypse, il nous faut toujours nous référer, comme il a été dit, à Daniel, parce que Daniel est le point central. Alors, elle dit, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse, qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l'autre une révélation. Le livre qui fut scellé n'est pas Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se rapporte au dernier jour. L'ange ordonna, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Mais, il est dit, c'est le Christ qui commanda à Jean d'écrire ce qui allait lui être révélé. Ce que tu vois, lui dit-il, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises que vous connaissez. Dans le livre Éducation, la sœur White nous donne cet encouragement en nous disant, personne ne devrait se laisser décourager par les symboles apparemment obscurs de l'Apocalypse. Si quelqu'un, en se basant sur cette promesse de Jacques, elle nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement, sans faire de reproche. Donc Dieu, par son esprit, est là pour nous diriger dans la pleine compréhension de sa parole. Alors, juste un point qu'il nous faut noter en tant qu'étudiant de la Bible, il nous faut éviter les voix discordantes concernant l'interprétation prophétique. Alors, parfois dans l'interprétation prophétique, il y a l'emphase qui est mise toujours sur je pense que on m'a dit, je ressens que, selon les ressentis. Mais nous savons, frères et sœurs, selon nous qui sommes des étudiants de la Bible, donc nos ressentiments, nos émotions ne sont pas une base solide, ne sont pas une base du tout pour interpréter la parole de Dieu. Donc, l'emphase mise sur des expériences personnelles plutôt que sur la parole de Dieu est subjective. Elle n'est pas une base solide. Donc, on n'a pas à se confier. On m'a dit, il a été dit, on pense que non.
Ce ne sont pas des bases pour interpréter la Bible. Donc, c'est pourquoi la sœur Aide va nous mettre en garde en nous disant les sentiments et les émotions suffisants qui montrent qu'une personne est guidée par Dieu. Satan, quand il n'est pas soupçonné, donnera des émotions et sentiments. Et c'est pourquoi elle nous avertit en disant « Tous devraient se familiariser totalement et entièrement avec les preuves de notre foi, avec la parole de Dieu. » Pour finir, il est dit, alors, un des étudiants de la Bible, de la prophétie, que vous connaissez peut-être sûrement bien, Isaac Newton, a fait cette déclaration très importante que je juge que nous devrions accorder de l'importance. Alors, il nous dit, l'inconsistance des interprètes a consisté à prédire des temps et les événements d'après cette prophétie, comme si Dieu avait voulu faire d'eux des prophètes à cause de leur témérité. Non seulement eux, mais les prophéties elles-mêmes ont été exposées au discrédit. Donc, les gens qui s'aventurent à interpréter, à avancer des théories, donc, à cause de ces personnes, donc, la parole de Dieu est jetée, sur la parole de Dieu est jetée le discrédit. Or, il continue en disant, or, le dessein de Dieu était très différent. Il a donné cette prophétie, c'est-à-dire la prophétie de 2300 soir et matin, et celle de l'Ancien Testament, non pour satisfaire la curiosité des hommes, comme nous l'avons dit, en leur permettant de connaître des événements, mais afin qu'une fois accomplie, celle-ci soit interprétée à la lueur de l'événement, et qu'ainsi, la préscience divine, non celle des interprètes, hein, soit manifestée aux yeux du... Donc, la prophétie, l'interprétation et la compréhension des prophéties n'est pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour donner gloire à la préscience divine. Et pour finir, comme il a été rappelé, Jésus revient, nous le savons. Si nous pensons et nous croyons ce qu'il est dit selon la parole prophétique, Jésus n'attend quelque part que deux choses. Que son caractère soit visible dans son Église. Alors, c'est pourquoi Mme White va nous dire « Le Christ languit de voir sa manifestation dans l'Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour le réclamer comme le sien propre. » Événement des derniers jours. Et l'autre base sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour dire que Jésus reviendra, c'est celle que lui-même a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, Jésus n'attend que deux choses, que nous soyons à sa ressemblance et que cet évangile, par le vécu du chrétien, que cet évangile soit prêché et que le monde soit averti et ensuite il reviendra. Donc, puissions-nous, chers étudiants de la parole de Dieu, faire de la prophétie notre livre, notre étude diligente, afin que nous soyons informés, mais aussi que nous soyons à l'image de Christ. Donc, merci pour l'écoute. Merci, donc, pasteur Bernard. L'Église adventiste et l'association pastorale, cet après-midi, a voulu juste, je dirais, vous donner et vous accompagner dans l'envie d'étudier la prophétie, d'étudier la parole de Dieu, car nous vivons ces temps prophétiques. Nous vivons, les événements qui très bientôt vont marquer la venue de notre Seigneur. Donc, que Dieu continue à nous bénir et à nous insuffler son esprit afin que notre intelligence, guidée par l'Esprit de Dieu, nous aide à avoir une claire compréhension, tant pour nous-mêmes, pour notre édification. Merci pour partager avec les autres, puisque nous savons qu'il y a tant de personnes qui doivent entendre cette bonne nouvelle du salut en Jésus. Maintenant, il y a beaucoup de ceux qui, sur le chat, ont demandé à ce que nous puissions, avant la reprise dans les lieux de culte, d'avoir un autre moment, un autre temps fort avec d'autres sujets. Bon, ça, nous verrons dans quelle mesure cela est possible, mais sachez une chose, c'est que nous nous mettons à votre disposition, les pasteurs, le corps pastoral se met à votre disposition pour vous aider dans cet accompagnement, dans l'étude de la parole de Dieu.
Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été connecté. Alors, pour le lien YouTube, nous avons un petit souci pour vous donner le lien. Cependant, ce qui a été présenté cet après-midi a été enregistré. Donc, si nous allons pouvoir mettre l'enregistrement à votre disposition, il vous suffira de contacter votre pasteur et vous pourrez avoir le lien pour pouvoir réécouter donc, ce qui a été fait cet après-midi sur cette plateforme. En plus de cela, vous avez certainement reçu des intervenants le support. Je ne sais pas si tous l'ont donné, mais vous avez déjà reçu un certain nombre de supports et aussi la synthèse de toutes les questions qui ont été posées, ce qui vous permettra d'approfondir ces questions-là, de chercher encore d'autres éléments pour pouvoir ainsi affermir votre foi. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons juste chanter la deuxième strophe du 135. Et puis après, donc, la sœur Rémus Marietta nous conduira en prière. La deuxième strophe du 135. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage. Vers le ciel, j'avance chaque jour. Prions. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. OK. Prions. Nous, ô Dieu, comme ta propriété exclusive, nous déposons tous nos plans à tes pieds. Emploie-nous aujourd'hui à ton service. Demeure en nous et que tout ce que nous ferons soit fait en toi. Père, nous voulons te célébrer pour ce merveilleux sabbat que tu nous as donné. Nous voulons te magnifier pour avoir conduit la réunion de cet après-midi. Et nous voulons te glorifier pour la fin du sabbat et l'ouverture de cette nouvelle semaine. Que ton nom soit sanctifié au siècle des siècles et que tu déverses sur chacun de tes enfants tes bénédictions en abondance. Que ton Esprit Saint nous enseigne et nous rende semblables à toi. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc, nous remercions donc tous les participants, tous ceux qui se sont connectés. Nous remercions aussi tous nos intervenants. Et nous vous souhaitons donc de passer une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et nous vous disons à très bientôt.